on va quand même attendre quelques minutes parce qu'il y avait au moins une vingtaine de personnes. Tu peux en avoir un autre, d'après moi, de cette séquence-là? Okay. C'est pas Jean-Michel, hein? Non, il ne courra pas, mais c'est le sujet qui est en liste. On ne l'aura pas. Puis, je suis supposé avoir du Samuel. Samuel Perret, oui. Le nouveau style le transparent là, avec un sang. Ouais, c'est. Bonjour, ça va? C'est bien? Salut, ça va bien, ouais. Juste. Toi, tu travailles au bureau régional? Oui, à Montréal. Donc, s'il y a des questions, c'est vrai qu'il y a personne. Ouais, c'est ça. On verra comment ça va avec le temps aussi. On a quand même beaucoup de temps. Je sais pas si on a des questions, tout ça. Donc, c'est sûr. Si tu veux prendre une pause ou à la fin. Ouais, parce que là, c'est. Je pense pas 2 heures. Ouais, puis là, après, c'est Frédéric. C'est ça qui va venir. C'est ça. Si on si n'a plus une question, ouais, c'est sûr que ça va prendre moins de temps. C'est ça. Mais moi, je voulais qu'il laisse pour ça, vu que c'est la chance qu'on a de pouvoir discuter. Oui, c'est ça. Puis sinon, je disais, si on a le temps ou si on a trop de temps, on pourra faire le tour du site web, juste la section de recensement. Vous pourriez voir où télécharger les. OK, tu le ferais, toi. OK, c'est bon. Si ça marche, c'est combien de temps? Je ne sais pas s'ils vont promener beaucoup. Pas tellement, non. Parce que le cadre, là, comme le. Couvre à peu près de là à là. Donc, il faut juste rester un peu. Ah, OK. Ah, ben non, OK. C'est bon. Je vais rester là. Faire un Steve Jobs. Comment? Steve Jobs. Qu'est-ce qu'il. Il se promenait, lui? Sur le steak. Ouais, c'est ça. Non, ouais. C'est ça. Faut ouais, juste rester dans le cadre un peu de, pour l'enregistrement. Oui, c'est bon. Bonjour. Tu arrives aujourd'hui? Non, hier. Non, sinon, j'ai déjà fait, je le faisais, là, je m'en allais à l'Université de Montréal, là. Je me levais à 14h. Le train, je sais pour aller à Ottawa, le train, je suis allé à 6h. Il était 6h40, fait que t'arrives, c'est trop simple, t'arrives, il arrive là. Ouais. Ok. Des fois, il y a des retards, c'est assez... Non, mais quand le train va arriver, le métro à Ottawa, ça va, ça devait être plus... Ah, pour vous autres, ouais. Ouais. Parce que là, c'est arrivé, des fois, le texte, s'il y a du trafic, ça prend une demi-heure à l'autre bureau. Ouais. Quand ça va ouvrir. Ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est supposé ouvrir au mois de novembre. Ouais. Mais quand tu regardes les travaux, les stations, tu dis, c'est comme le port Champlain. Ouais, supposé au mois de décembre, je voyais des photos, je dis, ça sera jamais prêt. Celle du bureau, là? Ouais. Ça avance, non? Ben, ils sont tous de même. Ils sont comme tout au même état d'avancement. Ben, écoutons. Quelqu'un me disait, ouais, mais tu sais, l'été, là, peut-être ça va avancer plus vite. Ah, une fois que ça va être fait, dans ce cas, ça va changer quand même. Ouais, ouais. J'ai hâte de voir ça. Pour le centre-ville. Oui.
Mais toi, tu es venu ici en métro? Non, non. Mais je suis à l'université ici. OK. Tu connais les gens du bureau régional? Oui. Je suis toute ma carrière. Okay. À part, en 2011, je travaillais pas sans semaine, on était dans un autre. Parce que je travaille un peu avec Louise Gosselin. Ouais, sur c'est ma boîte. Ah oui, OK. Oui, c'est la directrice adjointe de mon travail. OK. Je travaille avec elle au récent. Ben, on travaille sur le projet de ce qu'on appelle les revues formelles, là, les gens qui demandent des révisions oui, des oui, comptes oui, de population. On a fait la conférence, on a fait la Kirkland. La Kirkland? Oui, je me souviens de ça. Parce que je me souviens qu'on se faisait les... C'était juste au début des diffusions. Ouais. Avec les provinces. Okay. Ah oui, ah oui, 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 ok, oui, oui. Ouais, c'était moi ça. Ouais, fait qu'on a fait ça au début de la diffusion, mais là on est rendu plus dans les tableaux. Ouais. On a dit contrat avec les ministères. Ok. Ça roule. C'est pas plus clair. Je vais changer de projet dans 4 semaines. Je ne travaillerai plus là-dessus. Bon, ça fait un autre. Avec mon boss, va devenir. Je vais travailler pour Sylvain Delisle. Ah, c'est bon, c'est mon ancien boss. C'est vrai? Ouais. OK. C'est un bon gars. Là. Je vais travailler. Oh, je connais, j'ai déjà travaillé avec Sylvain sur le projet de transformation. C'est ça. OK. Je vais prendre son poste, finalement. Ah, c'est bon. C'est la chaise musicale. Ouais. C'est la première chose qui nous arrive aussi, là, les projets de modernisation. Ah, ouais. Ouais. Oui. Mais il vient encore, Sylvain, il vient à Ottawa. Oui, il vient à chaque semaine. Bon. Okay. Bon. Donc, bonjour, mon nom est Jean Poirier, directeur exécutif du SIX. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire, webinaire, qui est réalisé en collaboration avec le Réseau canadien des centres de données de recherche et Statistique Canada. Donc, cette activité va porter sur l'utilisation des données du recensement de 2016 qui viennent d'être disponibles dans l'ensemble du réseau canadien, y compris les laboratoires du CQSS. Donc, dans le cadre de cet atelier, nous aurons deux présentations. Une première présentation sur l'utilisation des données qui sera donnée par Laurent Roy de Statistique Canada. Donc, Laurent était venu il y a maintenant quelques années dans des circonstances peut-être un peu moins réjouissantes, parce qu'il nous parlait alors des défis de l'utilisation des données de l'ENM. Donc, on est bien content de l'avoir aujourd'hui pour l'utilisation des données du formulaire détaillé de 2016. Nous aurons également, après la pause, une présentation de Frédéric Brousseau sur les règles de diffusion de divulgation des résultats des analyses de ces données-là, après la pause vers 11h15. Comme nous avons également des participants par web diffusion, que je salue et à qui je souhaite la bienvenue, s'il y avait des questions en salle, je vous demanderais d'utiliser le micro pour le bénéfice de nos participants au webinaire, qui peuvent également nous envoyer des questions en les tapant là sur dans la fenêtre qui est indiquée sur l'application. Et donc, on pourra lire ces questions-là pour permettre à Laurent et à Frédéric d'y répondre. À la pause, c'est ça? À la pause, il y aura du café pour les participants qui sont ici avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Laurent.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ce qu'on m'entend, s'il y avait un problème technique, quelqu'un me le dirait. D'accord. Je ne suis pas très habitué avec la technologie. Là. Avant de débuter, je vais me présenter. Laurent Roy. Qu'est-ce que je fais? Je travaille à Statistique Canada, à Ottawa, sur le recensement de la population. Et depuis les 10 dernières années, mon rôle et responsabilité, c'était de faire la coordination de l'évaluation de la qualité des données du recensement. Donc, au recensement de la population, il y a différents spécialistes, analystes qui évaluent la qualité des données et qui recommandent ou non la diffusion. Ce sont eux qui vont préparer les notes sur la qualité des données et je faisais la coordination de tout ce travail-là. Également, dans mes responsabilités qui vous intéressent ici, c'est je coordonne et je fais la production des certains indicateurs de qualité du recensement. Et en plus de ça, je fais aussi d'autres projets reliés au recensement qui sont sur les revues de chiffres de population et de logement au niveau des municipalités et d'autres projets de recherche. Donc, la présentation va porter sur le recensement de la population 2016. Je vais couvrir certains thèmes. À la fin, j'ai ajouté un petit extra là, qui n'était pas dans votre résumé. C'est sur un projet de recherche qu'on a commencé qui pourrait vous intéresser dans les prochains mois. Donc, je pense que le temps va le permettre. Je ne suis pas un expert d'un domaine spécialisé du recensement. Hein? Sur le recensement, il y a des domaines, là, l'éducation, les variables sur le travail, les données sur le revenu. Donc, si vous avez des questions très spécifiques, c'est possible que je ne sois pas capable d'y répondre. Mais je peux les prendre en note. Je connais mes collègues, puis je peux leur fournir l'information. Vous avez mon courriel à la fin. Donc, si quelqu'un voulait m'écrire après, s'ils ont des questions spécifiques aussi, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Mais comme je vous dis, ça se pourrait qu'il y en a certaines que je ne sois pas capable. Puis, je ne vais pas essayer de patiner non plus. J'ai aussi mon collègue ici, Samuel Dupéré, du bureau régional, qui pourra parler si des trucs reliés plus à la diffusion des données, les requêtes spécialisées ou ce qui touche concrètement là, certains des fichiers qui sont disponibles. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. C'est correct comme ça. Prenez le micro. OK, le micro. Et si jamais c'est un sujet que je trouve dans les acétates plus tard, ben, je vous le dirai là, que je vais le toucher plus tard. Alors, de quoi je vais parler un peu ce matin? Je vais parler des faits saillants de 2016, du recensement de la population, des changements importants, des produits de diffusion qui restent à venir. Je vais vous donner une description des indicateurs de qualité. Quelques notes sur la comparabilité avec 2011 et 2006. Puis, comme je vous disais, peut-être un petit extra là, sur un projet de recherche qu'on fait qui pourrait vous intéresser. Dans ma présentation, je suppose que vous avez des connaissances minimales sur le recensement de la population. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc, s'il y a des trucs pour vous que ce n'est pas clair, poser les questions sur le pourquoi ci, pourquoi ça, comment vous faites ci, comment vous faites ça. Donc, ça me fera plaisir d'y répondre, mais quand j'ai préparé ça, je me disais, ils doivent avoir un minimum de connaissances, là, comme quoi c'est à tous les 5 ans, c'est quoi les domaines couverts, etc. Mais si vous voulez que je parle d'un aspect là, puis que je connais, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, avant de commencer, juste un bref rappel, là, comme je vous disais, je suppose un minimum de connaissances. Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans. On a un formulaire court, on a un formulaire détaillé. Le formulaire court a environ 10 questions, âge, sexe, état matrimonial, des questions sur les langues. Le formulaire long a les mêmes questions, plus des questions sur les migrations, l'origine ethnique, les groupes de population, variables autochtones, éducation, travail, lieu de travail et des questions sur le logement. Ça va? Rapidement, comment on collecte les données? Il y a à peu près 80 % de la population qui reçoivent une lettre d'invitation pour aller faire le questionnaire sur Internet. Donc, c'est dans les milieux urbains. Dans le milieu ce qu'on appelle le rural, en dehors des grandes centres, on ne dit plus rural, urbain, mais pour faciliter la tâche, à l'extérieur des régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement ou les grandes municipalités, on utilise une méthode la traditionnelle, qui était de laisser un questionnaire papier à la porte de chaque logement.
Les gens ont le choix de répondre au questionnaire papier ou d'aller sur Internet pour répondre au questionnaire du recensement. Et je vous disais, il y avait un questionnaire long, le questionnaire détaillé. Et pour le reste de la population, 1 % à peu près, dans le nord, les territoires, sur les réserves indiennes, on utilise la méthode de collecte par entrevue. Donc, un intervieweur, un recenseur fait du porte-à-porte en utilisant un questionnaire papier qui est un peu différent du questionnaire papier que les ménages reçoivent ici. C'est la même question, mais des exemples différents. Donc, en gros, c'était un peu comment ça se passe. Les gens reçoivent une lettre ou un papier, ils répondent. S'ils ne répondent pas, au bout de 4 semaines, on va faire des suivis de non-réponse. Donc, on envoie des énumérateurs qui vont faire du porte-à-porte pour les logements qui n'ont pas répondu. Et ils ont aussi, non seulement ils ont à obtenir des questionnaires complétés, dans certains cas, ils ont à déterminer le statut d'occupation des logements, à savoir quels sont les logements qui sont inoccupés selon les définitions du recensement. Ça va jusque-là. Je vais parler plus en détail de certains autres aspects, mais je voulais juste faire une petite base là, de comment on collecte les données. Puis je pense que si vous utilisez les données du recensement, c'est toujours bon de savoir, pour n'importe quel projet, pas seulement le recensement, comment les données ont été collectées, quels étaient les modes de réponse et tout ce qui s'est fait avant aussi. Les faits saillants, 2016, donc le retour du questionnaire détaillé obligatoire, donc ça a fait l'actualité un petit peu. Donc en novembre 2015, le gouvernement a remis en place le questionnaire détaillé et faisait partie du recensement, donc à caractère obligatoire. En 2011, il y avait eu l'enquête nationale sur les ménages qui remplaçait l'ancien questionnaire obligatoire. Donc, c'était une enquête à caractère volontaire dont la collecte s'était tenue en même temps que le recensement de la population 2011. Pour le questionnaire détaillé, en 2016, un ménage sur 4 a été dans l'échantillon du questionnaire détaillé. En 2011, pour l'enquête volontaire, l'ENM, c'était 3 sur 10 ou environ 1 sur 3. Et en 2006 et dans tous les recensements précédents, c'était 1 sur 5. J'expliquerai pourquoi les changements, là, quels étaient les. Qu'est-ce qui a poussé à changer la fraction de sondage entre ces, de 2006 à 11 et à 16. D'autres faits saillants en 2016, le taux de autoréponse, ça, c'est les gens qui vont compléter le questionnaire sans qu'on fasse un suivi porte-à-porte. Donc, c'est l'autodéclaration. Ils reçoivent un questionnaire ou une lettre d'invitation pour aller sur l'Internet. Et 88,8 % ont répondu au questionnaire sans qu'il y ait un suivi de non-réponse, ce qui était un de notre taux le plus élevé qu'on n'avait jamais observé. En 2011, pour le recensement, c'était 85,3. Et on a parlé de l'ENM 2011, du recensement 2011. Je sais qu'il y a souvent de la confusion, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais je le lisais souvent dans les actualités. Il y a souvent une confusion qu'en 2011, les gens disaient « Ah, le recensement était volontaire ». En 2011, il y avait le recensement obligatoire, mais seulement avec un formulaire court, 10 questions. Et il y avait l'ENM volontaire qui était le même contenu, les mêmes questions que le formulaire obligatoire de 2016. Donc, les questions d'éducation, travail, sur le logement étaient dans un formulaire volontaire. Mais en 2011, le recensement avec 10 questions était obligatoire. En 2016, le taux de réponse par Internet, donc la proportion de ménages qui ont utilisé le questionnaire sur Internet, 68 % comparé à 53 % pour le recensement de 2011. En 2006, c'était environ 20 % c'est toujours un élément qui est intéressant pour nous parce qu'au niveau de la qualité des données, du traitement des données, c'est toujours préférable d'avoir un questionnaire par Internet. Les réponses sont plus cohérentes, les réponses sont plus complètes. On sait que,
qu'il y ait une meilleure couverture aussi parce qu'on ajoute certaines questions pour s'assurer que tout le monde est énuméré. C'est plus rapide à traiter, ça coûte moins cher. Donc, dans la méthode de collecte que l'on fait, on essaie de faire la promotion de la réponse via Internet, à inciter les gens à utiliser l'Internet. Puis, donc comme je disais, en 2006, on est passé de 20 % à 53 % en 2011 et 68 % en 2016. Des questions jusqu'ici? Le micro ne vous fait pas peur. D'autres faits saillants? Le taux de réponse final, donc le questionnaire détaillé et abrégé, le questionnaire court en 2016, un taux de réponse de 97,4 %. Donc, les ménages, les logements occupés, on a reçu 97,4 % des questionnaires. En 2011, pour le recensement de 2011, on avait juste un questionnaire abrégé, comme je le disais, c'était 97,1 %. Et pour le questionnaire détaillé, le taux de réponse final en 2016, seulement pour le questionnaire détaillé, c'était 96,7 %. À l'ENM, à caractère volontaire en 2011, on avait 68,6 %. Puis, on a été capable de diffuser les principaux produits de diffusion dans un calendrier de 18 mois. Donc, la dernière diffusion officielle était en novembre 2017, soit 18 mois après le début de la collecte. En 2011, le calendrier s'était échelonné sur un total de 27 mois. Donc, je vais vous parler un petit peu plus maintenant des changements importants. Les prochaines étapes vont couvrir certains des changements au contenu, aux questions. Je ne vais pas couvrir tous les changements possibles. Il y a des changements qui sont faits dans la collecte aussi que je ne vais pas approcher dans un niveau plus détaillé. Un des changements importants qui peut vous intéresser, c'est que soit pour le questionnaire abrégé et détaillé, qu'on a informé les répondants dans le message d'introduction que les données sur le revenu seraient récupérées à même les fichiers de l'Agence de revenus du Canada, les données d'impôts, et que ces données-là seraient utilisées pour le recensement. Précédemment, en 2011, 2006 et avant, les gens devaient répondre à des questions sur le revenu. Et en 2006 et en 2011, on avait une question de consentement qui disait, nous donnez-vous la permission d'utiliser les données de Revenu Canada? Et si oui, vous n'avez pas à répondre à ces questions-là. Donc, quand les gens nous disaient oui, on essayait de faire un appariement avec les données de Revenu Canada. Si les gens disaient non, si les gens ne répondaient pas à la question, donc ils devaient répondre aux données sur le revenu. Et parfois, il y a des gens qui ne répondaient pas aux données sur le revenu. Donc, c'est un aspect important ici qui nous permettait d'aller chercher les données d'un plus grand nombre de personnes. Je vais y revenir plus tard. D'autres changements importants au contenu sur le questionnaire détaillé seulement. Les résidents habituels des logements collectifs sont exclus. Les logements collectifs, on les classe en deux types principalement. Les institutions, donc c'est des hôpitaux, résidences pour personnes âgées, les prisons. Et des logements collectifs non institutionnels, des hôtels, motels, des résidences pour les étudiants, camps de travailleurs. C'est les résidents habituels de ces logements collectifs-là étaient exclus du questionnaire détaillé. Oui, ils étaient exclus du questionnaire détaillé. Détaillé, pas le cours. En fait, ça dépend, parce que c'est compliqué, mais on pourrait les ça dépend, c'est Pour les résidences sur personnages, ça dépend du niveau de service qui est offert. Donc, si c'est juste une résidence privée où est-ce que vous avez votre propre porte, puis c'est une résidence privée, mais si comme un CHSLD ou une résidence privée avec un niveau de service, une infirmière, un médecin, des trucs comme ça sur place, ça peut être un collectif. Donc, il y a des détails un peu plus longs. Dans le dictionnaire du recensement, je pense que c'est bien... C'est ça. En fait, souvent, la ligne est mince entre des personnes âgées qui habitent des logements privés
des personnes âgées qui habitent une résidence pour personnes âgées qui est un logement considéré un logement collectif. Ça dépend du niveau de service, là, tel que. En fait, ils sont énumérés, peu importe le type de logement collectif ou privé, c'est juste qu'ils sont exclus du questionnaire détaillé. Donc, il n'y aurait pas les données sur l'éducation, l'immigration, le travail, mais on les a sur le questionnaire abrégé, avec les 10 questions, le sexe, état matrimonial, âge et les langues. Des fois, il faut juste être conscient de ça dans les analyses. Il y a des villes où il y a un gros centre d'hébergement qui peut avoir une influence, justement. T'sais, je sais qu'il y a des clients qui nous ont dit, qui nous appellent, ils vont dire, ben, mettons, dans tel village, on sait qu'il y a une résidence de 500 personnes. Si vous regardez des données de questionnaires détaillées, puis la résidence est exclue, ben, ça peut influencer justement sur le revenu moyen de cet endroit-là ou l'âge moyen ou des choses comme ça. Donc, si vous connaissez votre géographie locale, puis vous savez qu'il y a des grosses résidences dans tel ou tel secteur, mais là, on peut, même dans un secteur de recensement ou quelque chose comme ça, c'est bien d'en tenir compte quand on fait des analyses à partir du questionnaire détaillé. Donc, d'autres changements importants. On n'avait pas la question sur la religion en 2016. Elle est posée à tous les 10 ans. Et on va probablement envisager de l'inclure au recensement de 2021. Les questions sur les activités de la vie quotidienne, donc si vous connaissez un peu le questionnaire, c'est ce qu'on appelle les limitations d'activité. Ce sont les premières questions du questionnaire détaillé. Ils ont été remaniés pour comprendre plus de personnes. Ce sont surtout des questions qui sont utilisées pour une enquête post-censitaire, donc la diffusion est prévue, là, je pense que c'est à l'automne, ça reste à confirmer. D'autres éléments de changement qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous disais que sur les variables, les données sur le revenu, on utilisait maintenant les données sur les dossiers d'impôts. On a fait une approche similaire pour des variables sur l'immigration. Donc, il y a deux variables qui ont été ajoutées en faisant un appariement avec les données de Citoyenneté et Immigration Canada, Le nom a été modifié, c'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Je suis habitué avec les anciens acronymes, là. Donc, pour ceux qui ont immigré depuis 1980, il y a deux variables qui ont été ajoutées, qui est la catégorie d'admission et de demandeur. Donc, j'ai plus de détails ici, là. Dans le dictionnaire du recensement, on décrit quelles sont les différentes composantes de tout ça. Les données sont disponibles seulement pour ceux qui avaient répondu immigrés après 1980. On a été capable d'apparier à peu près 90 % des gens pour ça. Donc, tous ceux qui avaient déclaré « je suis un immigrant depuis 1980 ou après », donc la date d'immigration est 1980 ou après, on en a apparié à peu près 90 %. Les autres, on a imputé les données. Donc, j'imagine que le mot imputation est connu un peu. C'est ce qui fait référence à lorsqu'il y a une non-réponse à une question qui devait être répondue. C'est une méthode qui permet de remplacer la valeur manquante par une valeur qui est cohérente et qui est prise à partir d'un répondant qui est similaire selon certaines caractéristiques prédéterminées. Et lorsque l'imputation est faite correctement, en choisissant des bons critères pour aller chercher un répondant qui répond à la question, ça permet de garder à peu près la même distribution de réponses de ceux qui ont répondu. Les revenus, je le disais, donc, les données sur le revenu ont été mises disponibles avec les données du questionnaire abrégé, 100 % de la population, et sont aussi disponibles dans le questionnaire détaillé lorsque vous croisez avec d'autres variables sur l'éducation, le travail et ce qui est contenu dans le questionnaire détaillé. Il y a
des règles de confidentialité supplémentaires qui ont été mises en application sur les données du revenu. Je l'ai plus loin, je vais l'expliquer. On fournit aussi aux utilisateurs par région géographique un indicateur de la qualité des données qui est basé sur le taux d'appariement avec les données de revenus de l'Agence de revenus du Canada. Donc, pour obtenir les données de revenus, on appariait avec les données, les fichiers d'impôt, les différents feuillets. Donc, ça peut être le formulaire d'impôt des particuliers, ce qu'on appelle le T1, ou ça peut être avec le formulaire des on appelle les slips de paye, là, le T4 des employés dans le cas où on n'apparie pas avec le formulaire d'impôt des particuliers. Donc, il y a un indicateur pour chaque région géographique qui donne un intervalle du nombre de personnes qu'on a appariées. Je vais vous donner des exemples tantôt. Donc, c'est des choses qui ont été ajoutées. On a un indicateur pour le formulaire abrégé et détaillé sur cet aspect-là. Les règles de suppression, les règles de confidentialité. Comme vous savez, nous autres, c'est un aspect important de protéger la confidentialité des données. Donc, si quelqu'un allait consulter des tableaux croisés, il ne faut pas que ce soit possible d'identifier un répondant, une personne, d'identifier un individu. Puis là, en identifiant un individu qui serait unique, on pourrait savoir l'âge, le lieu, le type de travail ou le diplôme ou des trucs comme ça. Donc, on protège les données pour minimiser ou annuler le risque de divulgation. Et comme je le disais, les données sur le revenu ont été diffusées à partir du questionnaire abrégé à 100% de la population et détaillé, 1 sur 4, 25%. Étant donné cet aspect-là, le risque de divulgation était maintenant plus important. Dans certaines situations particulières, par exemple, pour une région géographique donnée, j'aurais une population très homogène par rapport au revenu, avec une ou deux personnes qui ont un revenu très élevé, donc une distribution, ce qu'on dirait, asymétrique. Dans certaines situations, étant donné que je diffuse sur le questionnaire abrégé et détaillé, et selon certains modèles et paramètres, on pourrait retrouver les données d'une personne. OK? Si je produis la moyenne à partir de 100% de la population et la moyenne sur l'échantillon, puis que j'ai quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, puis pas les autres, si la personne est dans l'échantillon, elle va contribuer à la moyenne, puis la différence entre les deux pourrait nous permettre d'estimer le revenu d'une personne dans certaines situations très particulières. Donc, étant donné cet aspect-là, on a dû modifier les règles de suppression pour les données du revenu. Et en plus, on ne donne pas les paramètres. Parce que si on donnait les paramètres, là, on pourrait, en sachant la méthode qui est utilisée sous telle règle, retrouver un répondant. OK? Donc, quand on a travaillé là-dessus, c'était un des aspects qui fallait minimiser le risque. Puis, avec des exemples concrets qu'on avait avec des données historiques, dans certains cas, si on donnait le paramètre, je vais utiliser telle méthode statistique, des méthodes valides pour supprimer les données avec tel paramètre. Si on donnait les paramètres aux utilisateurs, bien, on pourrait retourner, dans certains cas, situation unique, à les données d'une personne. Donc, c'est pour ça qu'on a cette approche-là maintenant, pour minimiser le risque. On a beaucoup de questions, là, c'est quoi vos règles? Pourquoi vous avez changé les règles? Les règles ne sont pas les mêmes. Questionnaire détaillé, questionnaire abrégé, c'est un petit peu mêlant. C'est pour minimiser ce risque-là. OK? Les données qui sont diffusées aussi, soit via le questionnaire abrégé ou détaillé, ne sont pas exactement les mêmes. Là. Médiane, moyenne, les pourcentiles exacts comme ça. On a aussi d'autres règles de suppression pour les données sur le revenu qui ont toujours été là. Donc, dans une région géographique donnée, les données sur le revenu sont diffusées si au moins 250 personnes et 40 ménages. Donc, on appelle la règle 250-40, là, que ce soit pour un secteur de recensement, une aire de diffusion, une municipalité. Les données sur le revenu sont là s'il y a 250 personnes et 40 ménages. Ça a toujours été la même règle depuis les derniers cycles du recensement.
Je ne l'ai pas parlé, mais pour les autres données, les autres caractéristiques, âge, sexe, la langue, l'immigration, les données ne sont pas présentées pour une région géographique donnée s'il y a moins de 40 personnes. Donc, en bas de 40 personnes, on ne donne pas la distribution par âge et langue maternelle, tous ces trucs-là. Et en plus, pour peu importe le niveau de géographie, que ce soit Montréal ou un village de 50 personnes, les données ou les chiffres, donc du questionnaire abrégé, ou les estimations à partir de l'échantillon sont arrondies à un multiple de 5. Donc, si quelqu'un était unique dans une cellule, bien, l'estimation est soit arrondie à 0 ou à 5. Donc, c'est comme un petit peu du bruit pour encore là protéger la confidentialité des données. Pas de questions? Je vais continuer sur des changements importants. On a parlé. Oui. Pouvez-vous peut-être glisser un mot sur la mesure de revenus chez les peuples autochtones? Sur la qualité? Non, sur le type d'information, du revenu, statut économique que vous avez. Bien, en fait, je peux vous parler un peu de la qualité, pas sur le contenu, parce que c'est les mêmes variables. Le taux d'appariement sur les gens qui habitent des réserves indiennes est un peu plus faible que hors réserve. Donc, il y a plus d'imputations, il y a plus de ce qu'on dirait de la non-réponse. C'est du cas par cas. OK. Mais vous allez publier cette information pour savoir quelle proportion de réponses a été imputée? Oui. OK. On ne diffuse pas la proportion exacte, c'est un intervalle. Je vais vous donner un exemple plus tard. Mais pour chaque région géographique, on dit combien ont été dans un intervalle de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30. On donne une estimation de la proportion qui ont été appariées. D'autres changements? Je l'ai déjà dit, les logements collectifs hors champ pour le questionnaire détaillé. Le dénombrement des résidents habituels via le questionnaire abrégé a été modifié pour certains types de logements collectifs, dont on appelle des résidents de passage, comme on pourrait dire, les hôtels ou des hébergements qui offrent des services temporaires, hôtels, motels, terrains de camping, auberges de jeunesse. Dans ces cas-là, on avait seulement un dénombrement du nombre de résidents habituels. Combien de personnes ont une résidence habituelle ici? Il n'y avait pas de données collectées sur l'âge, le sexe, la langue maternelle, les données du questionnaire abrégé. Ces données-là ont été imputées après. Donc, quel est l'impact de ça? C'est qu'il y a un peu plus de données manquantes pour les logements collectifs, spécialement à cause de ce changement-là. Donc, si quelqu'un regardait les données d'une région géographique particulière où la proportion de résidents habituels dans ce type de logement collectif-là est importante, il y aurait plus de données manquantes qui ont été imputées du questionnaire abrégé. Je disais, le logement collectif, pourquoi c'est hors champ? Le questionnaire détaillé obligatoire a été réintroduit en novembre 2015, donc environ 6 mois avant le recensement de 2016. Puis, une des raisons pourquoi ça n'a pas été introduit pour le logement collectif, c'est étant donné l'endroit où on était rendu dans la planification du recensement, c'était plus possible de le réintroduire pour les logements collectifs en modifiant les systèmes de collecte, les manuels de formation pour les intervieweurs et tous ces trucs-là. Donc, ça a été décidé de garder ce qu'on disait le statu quo pour les logements collectifs par rapport à l'ENM 2011. Géographie.
d'autres changements pour 2016. Les limites des subdivisions de recensement sont rajustées entre chaque recensement. Donc, sont rajustées lorsqu'on consulte les provinces et les territoires. Les coordonnateurs des provinces sont consultés avant chaque recensement pour demander est-ce qu'il y a des changements dans les limites géographiques des subdivisions de recensement. Et le ministère des Affaires autochtones du Nord et du Nord au Canada sont aussi contactés pour savoir si les subdivisions au recensement définies comme des réserves indiennes, est-ce que les changements dans les limites géographiques. Si vous allez voir les produits de diffusion, lorsqu'il y a une différence dans les limites géographiques, c'est indiqué. Et le chiffre de population qui est diffusé de 2016, il y a aussi le chiffre de population de 2011 qui est diffusé. Et ce chiffre-là de 2011 est diffusé selon les nouvelles limites géographiques. Donc, si une municipalité, on a changé les limites géographiques, le chiffre de 2011 présenté sur le portail 2016 est le chiffre avec les nouvelles limites géographiques. Par contre, si quelqu'un allait sur le site web de 2011 pour aller consulter le nombre de personnes par âge, sexe, langue maternelle, ces chiffres-là ne sont pas ajustés. Donc, si des fois, une municipalité, seulement en changeant les limites géographiques, la population passe de 500 à 600, quand je vais aller voir 2011, bien, ça va être les données sur la langue, les données de l'âge, sexe, le travail, des 500 personnes, pas des 600. Les limites géographiques des divisions de recensement sont rajustées en fonction des ajustements aux subdivisions de recensement. On a eu deux nouvelles agglomérations en 2016 dans l'Ouest, Grande Prairie et Wood Buffalo. Les circonscriptions fédérales ont été mises à jour en 2013. Donc, on va passer de 308 à 338 pour refléter les changements requis par Élections Canada. Et on a aussi une nouvelle région géographique, les aires de diffusion agrégées, ADA. Je vais les expliquer un peu plus en détail, c'est quoi. Qu'est-ce que les ADA? Les ADA ont été créés pour 2016 pour faire la pondération. Donc, le questionnaire détaillé est un échantillon, un ménage sur quatre. Puisque c'est un échantillon, on doit calculer des poids, les poids de sondage, pour que les gens dans l'échantillon soient... les personnes soient représentatives de la population cible. Et ces poids-là sont calculés et sont ajustés pour tenir compte de la non-réponse, tenir compte de ceux qui ne retournent pas le questionnaire, sont ajustés au niveau des ADA. Okay? C'est un nouveau concept qui a été introduit en 2016. Et les ADA sont faites à partir des subdivisions de recensement, les secteurs de recensement ou les aires de diffusion. Et ils ont des tailles environ de 5 000 à 15 000 personnes. Ils vont respecter les limites géographiques des divisions de recensement, des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement. Et souvent, dans les régions qui ont des secteurs de recensement, donc les grandes municipalités, souvent les ADA respectent les limites géographiques des secteurs de recensement. Donc, c'est un cas, il y a un code géographique, là, province, division de recensement, plus un code à quatre chiffres. Et on avait consulté les coordonnateurs des provinces pour la création de ces des ADA, là. Donc, en général, pour une ADA, comme je disais, lorsqu'on calcule les poids de sondage et qu'ils sont ajustés pour tenir compte de la non-réponse, les estimations des questions qui sont communes aux questionnaires détaillés et abrégés, donc, qu'est-ce qui est commun aux deux, c'est l'âge, le sexe, l'état matrimonial et les langues, les estimations du questionnaire détaillé sont pratiquement les mêmes que les chiffres du questionnaire abrégé. D'accord? C'est un aspect lorsqu'on fait l'ajustement des poids. Ils sont à peu près les mêmes. Donc, c'est ce qu'on appelle là, les totaux de contrôle sont calculés au niveau des ADA lorsqu'on ajuste les poids de sondage.
En gros, je pense que ça couvre pas mal les changements de 2016 que je voulais expliquer. Donc, pas de questions jusqu'ici. Micro. Oui. Cool. Donne l'exemple. Les taux de réponse sont très élevés, là, comme vous avez montré, mais il y avait eu une panne informatique quand on voulait remplir notre formulaire de recensement. Ça a été un peu discuté dans les journaux. Pensez-vous que les taux de réponse auraient pu être encore plus élevés? Oh, c'est dur celle-là. C'était très minime. Là. Je ne me rappelle plus la durée totale, là. Mais est-ce que ça aurait pu être plus élevé? En fait, s'il y avait eu un impact, ça aurait influencé l'auto-réponse. Okay. Donc, parce que le moment de la panne, là, c'était lorsque l'expression anglaise, c'est un pic là, de personnes qui vont sur le site. Là. Les bons répondants, aussitôt qu'ils reçoivent quelque chose par la poste, là, vont y aller le soir même ou deux, trois jours après. Là. C'est là que le gros du volume de personnes qui y vont. Puis, ce qu'on a noté, c'est que même s'il y avait un endroit qui avait moins de monde, on pense avoir récupéré les jours d'après parce que les gens qui auraient été... possiblement impactés par ça, étaient les bons répondants, ceux qui sont vont y aller dans les premiers jours, puis ils vont s'en reprendre quelques jours après, lorsqu'ils ont un suivi. Moi, j'avais été impacté. T'es jamais allé après? Là, je me suis dit que ça paraîtrait mal si je n'allais pas après, là, en tant que associé au SIX. Mais pour faire un peu de variété, j'ai rempli une fois en français, ça n'a pas marché, j'ai rempli en anglais après. J'espère que j'ai répondu la même chose les deux fois, là, mais... Juste pour ajouter là, sur les ADA, il y a quand même un intérêt aussi si vous voulez faire des analyses dans des régions, je dirais pas rurales, à l'extérieur des grands centres. Parce qu'un des défis qu'on avait eu en 2011, c'est de diffuser des données pour les plus petites géographies. Donc, les ADA vont vous rajouter une couche par-dessus les AD. Donc, si vous n'avez pas assez de monde pour faire vos analyses avec les AD, ça permet à une unité géographique qui se retrouve partout, à l'intérieur des grands centres et à l'extérieur des grands centres. Donc, des fois, si vous essayez de faire quelque chose avec des AD, vous n'en avez pas assez, vous pouvez monter comme une couche au-dessus aux ADA, puis vous allez en avoir, alors qu'avant, vous deviez passer des AD directement au SDR, à l'extérieur des centres. Donc, maintenant, vous avez une couche supplémentaire, puis là, on est encore à explorer les possibilités de ça. Là. Il y a toutes sortes de possibilités d'analyse qui vont s'offrir avec ça. Il y a un autre intérêt pour les ADA, je vais l'expliquer après, là, c'est la disponibilité des erreurs types, des estimations du questionnaire détaillé, qui est une nouveauté aussi, là, je vais en parler plus loin. Je vais sauter une... Donc, j'ai produit du recensement qui reste à diffuser la suite, mais ce n'est pas la suite, c'est la première acétate. Désolé. J'ai combiné. Donc, juste un petit aperçu de ce qui reste à diffuser. Dans les prochaines environ 12 mois, il y aura des articles, des produits analytiques dans la revue, si je pourrais, le regard sur la société canadienne. Il y aura, c'est le 30 mai, c'était la semaine, le 30, c'était la semaine dernière, ça. Il y a eu des données qui ont été diffusées sur les régions socio-sanitaires. Dans les prochains mois d'été, il y aura d'autres tableaux croisés qui seront diffusés sur les populations autochtones, déplacement, domicile, travail et sur d'autres sujets. Le fichier de micro-données à grande diffusion, qui est fait à partir d'un, je pense, un échantillon d'environ 3%, va être diffusé à l'hiver 2018-19 puis vers la mi-année de 2019. Il y a deux types de fichiers au niveau personne et au niveau ménage. Et il y a une question d'un participant en ligne. Alors, je vais la lire. Dans quel tableau on trouve les données du recensement 2016 de l'immigration récente, c'est-à-dire moins de 5 ans, par sexe et CNP4, Québec, RMR et région? Est-ce que tu peux la prendre en... Oui, la prendre en note, puis ça devrait être pas trop difficile à trouver, celle-là. Là. On va vous répondre plus tard. Ça va être pas trop difficile. C'est pas, quelqu'un qui est habitué, c'est pas trop difficile.
savoir où trouver les liens, là, c'est pas toujours convivial si vous êtes moins habitué au site. Hein? J'allais dire quelque chose, là, mais des fois, j'utilise Google. Au lieu d'aller sur le site de StatCan, là, c'est un petit secret qu'on a même à l'interne. Là. C'est, au lieu de chercher nous autres même sur notre site, on va Google. Fait Statistique Canada avec des bons mots-clés, là, ça t'amène directement à... c'est pas un secret, là. C'est pas un secret d'État, je sais. Là. On se dit nous-mêmes à l'interne des fois, oh, je vais aller sur Google, ça va aller plus vite. La version PDF du dictionnaire du recensement, début d'automne 2018, et il y aura aussi des rapports techniques diffusés en l'automne et début 2019. Un sur l'échantillonnage et la pondération, donc ce que je vous ai tenté d'expliquer en quelques phrases tantôt, il y a un rapport détaillé qui est fait là-dessus. Il y a un rapport technique sur les peuples autochtones, la qualité des données, comment les données sont collectées, qui sera diffusé aussi en mars 2019. Et un rapport sur la couverture. Je vais l'expliquer un petit peu. Là. La couverture, c'est combien de personnes ont été comptées deux fois, combien de personnes ont été manquées, des estimations. Donc, c'est un rapport qui est juste sur ça, sur comment ces estimations-là sont calculées, c'est quoi les chiffres. Et c'est quoi les méthodes qu'on utilise pour arriver à ces estimations-là. D'autres éléments que je voulais toucher par rapport à les changements de 2016. Donc, étant donné le fichier qui vient d'être mis à la disponibilité dans les centres de données de recherche, il y a des changements qui ont été apportés étant donné les nouvelles façons de faire pour 2016, dont celle d'aller chercher les données sur le revenu. Donc, il y a des détails supplémentaires qui sont mis à la disponibilité pour certaines des variables, des données sur le revenu, telles que les prestations d'assurance-emploi ou de la Régie des rentes du Québec et les prestations pour les enfants. Il y a aussi des nouvelles variables par rapport au REER, CELI et les cotisations à différents programmes. Je ne suis pas un spécialiste des données sur le revenu, mais si vous avez des questions très précises, il me fera plaisir de les prendre en note. Peut-être qu'on pourra tenter d'y répondre ou passerai les questions à des collègues. Et par rapport au, c'est pas encore diffusé, mais le fichier de microdonnées à grande diffusion, donc celui-là qui est fait, qui est disponible via le site web pour tout le monde. Par contre, pour les données sur le revenu, comme je le disais, la confidentialité est un aspect qui est important pour nos données. Donc, on va s'assurer que dans la construction, le développement de ce fichier de microdonnées à grande diffusion, les règles sont maintenues et mises en place. Et on regarde aussi de voir si la disponibilité de l'indicateur des besoins impériaux en matière de logement devrait être ajoutée à ce fichier-là. Ça, c'est une variable niveau logement qui donne si le logement est considéré inadéquat ou inabordable ou d'une taille non convenable et également si le revenu est suffisant pour payer ce qui est de base pour le logement. Donc, c'est un indicateur qui est développé en collaboration avec la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et cet indicateur-là devrait être mis sur ce fichier de à grande diffusion. Des leçons apprises. Je veux juste les partager un petit peu avec vous. Parce que comme je le disais, je pense que c'est important des fois de comprendre comment les données sont collectées d'un cycle à l'autre, qu'est-ce qui se passe. Donc, la méthodologie par vague, qu'est-ce que c'est? Ça, je vous disais tantôt là, qu'il y a différentes façons qu'on collecte les données. La méthodologie par vague fait qu'au début du mois de mai 2016, on envoie à tous les logements une lettre pour les inciter à aller répondre au questionnaire du recensement par Internet ou ils reçoivent un questionnaire papier. Bon, les vagues, c'est que ceux qui ne répondent pas par Internet après la première semaine, après avoir reçu la lettre,
Ils reçoivent un rappel environ 10 jours après. Donc, une autre petite carte de rappel de s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas fait, allez le faire. Et ça, c'est la vague, ce qu'on appelle la vague numéro 2. À la vague numéro 3, s'ils n'ont pas encore répondu, on leur renvoie un questionnaire papier parce qu'il y en a qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas accès à Internet ou pour qui ça peut être difficile. Donc, ils reçoivent un questionnaire papier à la vague 3, donc environ 3 semaines après le début du mois de mai. Et après ça, on a une autre vague qui est le suivi de non-réponse ou c'est du porte-à-porte. On utilise cette méthode, le GILA de collecte, depuis, on avait 2006, 2011, 2016. On l'a amélioré à chaque fois. Puis, un des objectifs des améliorations, c'est d'avoir le plus possible de réponses, le plus possible d'auto-réponses et de maximiser la réponse par Internet. Donc, on sait qu'en améliorant certains des aspects, des paramètres de cette méthode de collecte, on influence de façon positive la réponse et la réaction des personnes. Donc, tous ces rappels-là, on sait que ça génère plus d'autoréponses et dans ce cas-là, l'autoréponse, c'est beaucoup moins coûteux que de faire du porte-à-porte, qui est un aspect important pour nous. Et plus il y a de l'autoréponse, donc plus les questionnaires sont complétés près de la date de référence du recensement, qui était le 10 mai. Donc, c'est plus préférable d'avoir un questionnaire complété le 10 mai, 15 mai, 20 mai, qu'un questionnaire complété en du porte-à-porte le 15 juillet. Parce qu'il pourrait avoir des erreurs de réponse, les gens ne se souviennent pas des données sur le travail, ou ça pourrait même pas ne pas être les mêmes personnes. Et dans ce cas-là, il faut confirmer qui était là ici le 10 mai, en date de référence du recensement. Les vues, leçons apprises, échantillonnage, pondération. Donc, comme je le disais, le taux d'échantillonnage pour le questionnaire détaillé, c'était 1 sur 4. On n'avait pas fait 1 sur 5 parce qu'on jugeait qu'il y avait peut-être un risque qu'il y ait moins de réponses en 2016. Qu'il y ait plus de confusion suite à la réintroduction du questionnaire détaillé obligatoire. Donc, pour minimiser les risques, qu'il y ait confusion, moins de réponses, on a fait 1 sur 4 au lieu d'1 sur 5 par rapport à 2006. Puis, le nombre de réponses va influencer la précision des estimations. Donc, les coefficients de variation sont influencés, entre autres, par le nombre de questionnaires complétés. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé 1 sur 4 au cas qu'il y ait moins de réponses parce que potentiellement, il pouvait y avoir de la confusion. C'est obligatoire, volontaire, ou etc. Les pondérations finales avaient moins de variance que celles de l'ENM 2011. Donc, les estimations de 2016, questionnaire détaillé, les estimations sont plus précises que l'ENM 2011 et la variation des poids finaux ajustés est beaucoup plus petite que celle de 2011. Donc, si vous avez accès aux fichiers ici dans les centres de données de recherche, les poids du questionnaire détaillé vont de 1 jusqu'à 20 ou 25. Il n'y a pas personne qui a un poids plus grand que 25, je crois, ou 20. En 2011, ça allait de 1 jusqu'à 100. Donc, quand vous avez des répondants avec un poids final de 100, 90, 75, ça amène beaucoup plus de variabilité dans les estimations. Est-ce que quand même les poids individuels sont les mêmes que le poids ménage? Oui. Donc, dans un ménage, j'ai 3 personnes. Les 3 ont le même poids. OK. Mais ces poids, donc, c'est parce que le questionnaire détaillé de 2016, comme l'ENM, est supposé être représentatif au niveau individuel, pas au niveau du ménage. Oui, mais quand on fait le calcul des poids, c'est les caractéristiques du ménage. Donc, ça va être un ménage avec une femme, un homme ou une femme seulement, une femme avec des enfants. Donc, c'est selon les différentes caractéristiques des gens du ménage, enfants, adultes, selon l'âge, selon les langues, etc., etc. Je ne sais pas si c'est clair. Maintenant, je le comprends mieux. Ce n'est pas tellement décrit dans la documentation existante. Dans la documentation actuelle, le dictionnaire, le guide du recensement a un chapitre là-dessus. Okay. Il va avoir un guide beaucoup plus détaillé qui explique les méthodes qui sont utilisées pour
ajuster les poids pour tenir compte de la non-réponse. OK. Ils sont ajustés selon le questionnaire abrégé. OK. All right. OK. Thank you. Juste me retrouver. Leçon apprise, utilisation des données administratives pour 2016. Bon, je l'ai déjà expliqué un petit peu. On utilise les données des déclarations de revenus au lieu de poser les questions. C'est une nouvelle approche à Statistique Canada, donc d'utiliser des données administratives au lieu de poser les questions aux gens. Donc, c'est deux trucs qu'on a ajoutés en 2016, les données sur le revenu, les données administratives de l'Agence de revenus du Canada, deux questions sur l'immigration qui venaient des fichiers administratifs du gouvernement. On va toujours explorer la possibilité d'en ajouter d'autres dans le futur, dans la mesure du possible. Une des leçons apprises aussi, c'est ce qu'on appelle Fort McMurray. Donc, c'est un cas particulier. Si vous vous rappelez, en mai 2016, les gens de la région de Fort McMurray avaient été évacués à cause des feux de forêt. Ils ont été évacués, je pense que c'était le 3 mai 2016. Et toute cette zone-là d'environ 75 000, 100 000 résidents habituels avait été évacuée pendant plusieurs semaines. Donc, on a eu une approche différente pour Fort McMurray, qui était d'avoir les données du recensement, le questionnaire abrégé, via des données administratives, dont les données sur l'impôt particulièrement et de d'autres sources. Donc, dans le guide du recensement, il y a une annexe qui porte juste là-dessus, mais de façon générale, c'est bien, étant donné les circonstances, là. Évidemment, pour eux autres, il y avait d'autres problèmes plus importants, mais de notre côté, du point de vue recensement, on était capable de diffuser des données du questionnaire abrégé à partir des données administratives qui ont été manipulées et traitées pour répliquer les réponses au questionnaire abrégé. On est retourné après ça au mois d'août parce que pour le questionnaire détaillé, parce que c'est pas possible à partir de données administratives, de tout avoir pour le questionnaire détaillé. On utilise aussi d'autres données administratives quand vient le temps de traiter les données pour évaluer la qualité des données, comparer avec d'autres sources et pour l'imputation. Quand j'ai de la non-réponse à une question, j'utilise parfois des données administratives pour trouver quelqu'un qui se rapproche des caractéristiques de la personne qui n'a pas répondu et qui a répondu. Comme je le disais, c'est un aspect important, l'utilisation des données administratives pour plusieurs raisons. Donc, un des aspects, c'est que c'est un fardeau réduit pour les répondants. Ça prend moins de temps à compléter le questionnaire. Par exemple, on savait que dans le passé, quand les gens répondaient aux questionnaires détaillés puis qu'ils arrivaient aux questions sur le revenu, il y en a beaucoup qui bloquaient, qui arrêtaient de répondre là. On voyait dans les données à quel endroit ils arrêtent de répondre, puis ils arrêtaient là parce que c'était un fardeau imposant de tout répondre à des questions détaillées. Par contre, en utilisant des données administratives, on est plus à la merci de nouveaux concepts qui pourraient être définis dans ces fichiers-là, donc, dont on ne contrôle pas exactement les définitions et les différentes catégories. Ça nous aide à améliorer le traitement de données et dans le cas, par exemple, des données sur le revenu, puisque j'ai mes données sur 100% de la population, j'ai plus de précision des données, il n'y a plus de variance due à l'échantillonnage pour les données du revenu. Et je dis aucun arrondissement des données du revenu, c'est qu'avant, quand on demandait « c'est quoi votre revenu? » Bon, environ 45 000, mais là, on a les données de l'Agence de revenus du Canada, donc ce n'est pas 45 000, ça peut être 46 132. C'est le chiffre exact qui apparaît dans les dossiers de l'Agence de revenus du Canada. Certaines difficultés qui
apparaissent, c'est que ça exige, pas des difficultés, des défis, c'est que ça exige de coupler, de faire un appariement, un couplage d'enregistrement entre les répondants du recensement puis les personnes que j'ai sur mes fichiers administratifs. Puis l'appariement peut varier dans différentes régions géographiques. Comme on disait, là, s'il y a moins de gens qui retournent, qui déclarent les données du revenu sur un rapport d'impôt, ben, je ne pourrais pas les apparier dans ce cas-là. Il faut que les concepts soient les mêmes d'un recensement à l'autre ou entre les données administratives puis les concepts que l'on veut mesurer. Puis, ça exige une intégration assez rapidement, là, la période où on va faire les appariements entre les données du recensement, les fichiers administratifs, puis tout mettre ça dans les bases de données pour le traitement des données, ça exige des nouveaux défis là, au niveau du traitement des données. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'il pourrait y avoir des changements qui vont briser les séries de données dans le temps. Lorsqu'on change un concept, une définition dans les données administratives et même dans le questionnaire, si on a des questions qui sont modifiées de façon importante, les concepts pourraient être différents et la comparaison entre différents cycles peut être un peu plus difficile. Je l'avais déjà dit, les données sur les catégories d'admission pour l'immigration, c'est seulement disponible pour ceux qui ont immigré et qui ont déclaré avoir immigré depuis 1980. Par exemple, si quelqu'un était dans les données d'immigration, mais n'a pas déclaré être un immigrant, donc cette personne-là n'était pas appariée. Donc, la source était le recensement. Êtes-vous un immigrant, oui ou non? Quelle est la ligne d'immigration? Et seulement ceux qui étaient immigrants 1980 et après étaient appariés. On ne faisait pas de correction aux réponses du recensement. Les deux prochaines étapes, je vais les passer là. J'imagine disons, vous aurez accès à ça. Je ne veux pas nécessairement passer à travers chacun des trucs. Là, c'est assez petit. C'est des changements qui sont sur les données dont la source est des données administratives. Donc, ça, c'est ce qui des trucs sur les données, sur des nouveaux concepts sur les données sur le revenu. Puis, j'ai le même truc que je vous parlais sur les données sur administratives pour les catégories d'admission des immigrants. Voici, c'est un peu à quoi ressemble la classification qui est donnée aux utilisateurs. Ces informations-là sont disponibles dans les guides de référence du site web du recensement. Donc, sur le portail du site recensement, il y a un onglet, c'est « Documents de référence ». Et si vous cliquez « Documents de référence », il y a différents guides selon les thèmes du recensement. Je vais passer à l'autre section, la qualité des données. C'est un petit peu mon domaine, je suis un petit peu plus en territoire connu. Dans une enquête, que ce soit un recensement ou une enquête par échantillon, il y a deux grands types d'erreurs. L'erreur non due à l'échantillonnage. Donc, même si j'ai un recensement à 100% de la population, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs dans un biais possible de non-réponse. Si mes non-répondants sont très différents des répondants, il peut y avoir un biais. Par contre, si la proportion de personnes qui est la non-réponse est très petite, bien, le risque de biais est pratiquement très inexistant ou très petit. On peut avoir aussi un biais par rapport à une question. Si beaucoup de gens ne répondent pas à une question, il est possible que ces non-répondants-là à une question soient différents de ceux qui ont répondu. Il y a des erreurs de réponse, donc on ne se souvient pas de certains aspects. Donc, on ne se souvient pas exactement de son diplôme d'éducation. Si vous avez 60 ans, là, c'était quoi dans mon diplôme que j'ai eu au collégial? C'était quoi le domaine d'études? Je ne m'en rappelle pas. Un aspect important du recensement aussi, c'est il y a une personne en général qui répond pour tout le monde dans le ménage. Je vais juste m'étirer pour un questionnaire. Ça, c'est le questionnaire papier.
Je ne sais pas si les gens vont le voir, mais dans un questionnaire papier, je n'ai pas le questionnaire électronique, mais c'est le même principe. En général, il y a une personne qui répond pour tout le monde dans le ménage. J'ai des questions qui font référence, comme je le disais, à la scolarité, au travail, là où vous travaillez, l'immigration, etc., etc. Ça se peut que la personne qui répond ne connaisse pas les réponses exactes de tout le monde dans le ménage, spécialement si c'est des colocataires. Donc, ce qu'on espère dans ce temps-là, c'est que la personne va demander aux autres. Mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Donc, ça se peut qu'il y ait des erreurs de réponse, des erreurs de mémoire aussi. Des erreurs de traitement. Donc, quand je fais l'imputation, je pourrais avoir des raies qui ne sont pas tout à fait correctes. Nous, dans notre cas, c'est quand on vérifie la qualité des données, on s'assure que toutes ces règles-là sont cohérentes et produisent des ensembles de données complets, cohérents et sans erreur. Il peut aussi y avoir, même quand il n'y a pas d'échantillonnage, des erreurs de couverture, des gens qui sont manqués au recensement ou comptés deux fois. J'ai une ou deux acétates là-dessus plus tard. Donc, c'est les erreurs de couverture. Je vous... Il y a... la question, je vais la dire. La question, c'est... quand on soupçonne une erreur de couverture, est-ce qu'on fait un suivi? La réponse, c'est oui et non. Donc, quand on complète le questionnaire à l'étape, les premières étapes du questionnaire, c'est qu'on demande combien de personnes demeurent ici, combien sont des résidents habituels, puis êtes-vous certain de ne pas avoir oublié quelqu'un pour différentes raisons? Donc, les gens, ce qu'on appelle, ils vont compléter une étape, puis on va faire un suivi pour ceux qui complètent cette étape-là. Donc, si j'habite chez moi, puis... j'ai mon fils, j'habite à Ottawa, mon fils étudie à Montréal, à l'Université de Montréal, mais je ne le mets pas parce que je ne suis pas certain où il doit être énuméré, chez moi ou à Montréal. Donc, je vais compléter l'étape. Puis, soit selon que vous avez répondu par Internet ou papier, il y a des questions supplémentaires. Et dans certains cas, on va recontacter le ménage. Donc, il me rappellerait, là, il me dirait, « Monsieur Roy, vous avez dit que vous aviez... votre fils qui étudie à Montréal, là, donc on va me poser des questions supplémentaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de minimiser les erreurs de couverture comme ça. Parce que s'il avait fallu qu'il soit énuméré avec moi à Ottawa, mais qu'il n'a pas complété son questionnaire ici, puis moi je ne l'ai pas mis, bien je l'ai manqué, on l'a manqué. Le recensement l'a manqué. Mais, donc on fait des suivis pour minimiser ça, mais malgré cela, il y a des gens qui ne sont pas dénombrés ou qui sont comptés deux fois. Donc, je vais donner des exemples tantôt avec des chiffres. Donc, pour ça, je disais que la réponse est oui et non. Quand on soupçonne, on contacte. Mais on n'est pas capable d'avoir des... là où tous les soupçons pourraient y être. Donc, c'est avec l'information que l'on a. Je ne sais pas exactement où la question que je vais vous poser rentre. Je pense qu'il y a un lien avec ce que vous disiez maintenant. Donc, peut-être c'est le bon moment. Est-ce que, comme dans le cas de l'ENM, la couverture du questionnaire détaillé pour les Inuits est à 100%? Pour l'ENM? Dans l'ENM, toutes les communautés Inuits de Nunavut. Les mesures de couverture que l'on avait en 2011 concerne le recensement, pas l'ENM. D'accord? Donc, l'ENM, c'était l'enquête volontaire. Ouais. Donc, les erreurs de couverture sont faites à partir du recensement. Okay. Et on obtient certaines caractéristiques de ceux manqués. Mais ça ne va pas dans ce niveau de détails-là. Est-ce que vous voulez dire pour l'échantillonnage? Parce que... Oui, c'est ça que je voulais dire, exactement ça, oui. Non, on le fait à 100%. Ah! C'est pas le même. Non, il y a, non. Non, c'est ça. En fait, il y a une méthode de collecte différente dans le Nord. Donc, on envoie des personnes, on fait pas, on fait une collecte à 100%. Donc, il n'y a pas d'échantillonnage et on envoie des gens pour faire des entrevues. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne manque pas des gens, là, ceci étant dit, mais notre approche est un peu différente. Donc, l'approche, c'est le même qui est dans les recensements. Oui. Oui. Okay.
L'autre type d'erreur, erreur d'échantillonnage, c'est lorsqu'on a fait un échantillon sur une population, il va y avoir l'erreur associée à l'échantillonnage qui a un impact sur la précision des estimations. C'est en lien avec la taille de la population, la taille de l'échantillon, le nombre de répondants et la variabilité des caractéristiques à l'étude. Ça, c'est un concept là, général en statistique. Là. Quand c'est un échantillon, il va toujours avoir une erreur associée à ça. Peu importe comment ça se passe, que ce soit 100% de réponse, puisque j'ai échantillonné, il y a une erreur associée à l'échantillonnage. Quels sont les indicateurs de qualité que l'on donne aux utilisateurs en 2016? Ça, c'est la liste. Je vais les passer un peu au travers chacun pour donner des exemples. C'est quoi? Les erreurs non dues à l'échantillonnage, on a un taux global de non-réponse qui est donné pour chaque région géographique. On donne des taux d'imputation par question, donc le nombre de questions non répondues pour lesquelles on a fait une imputation. On les donne par province et territoire pour chacune des questions du questionnaire détaillé ou abrégé. On a des indicateurs, j'en parlais, des indicateurs de qualité pour les données sur le revenu. Et on a aussi un taux global de non-réponse pour les variables lieu de travail. Je vais expliquer plus tard. Pour les erreurs dues à l'échantillonnage, on a les erreurs types qui sont disponibles. Je vais en parler aussi, disponibles à quel niveau. On a aussi les guides de référence sur chacun des sujets du recensement. Comme je le disais, sont disponibles sur le web. Ils vont parler de la particularité de certaines questions, de la qualité des certaines questions. Je vais passer au travers quelques éléments qui sont notés dans ces guides-là. Le premier, le taux global de non-réponse. Qui est donné pour chaque région géographique, que ce soit la province, la municipalité, subdivision de recensement, secteur de recensement. C'est une mesure qui combine la non-réponse des ménages et la non-réponse des questions, d'items, la non-réponse partielle. Donc, ça combine combien de ménages n'ont pas retourné de questionnaire pour lequel on a dû faire un ajustement et parmi les questionnaires retournés, combien de questions n'ont pas été répondues parmi celles qui devaient être répondues. OK? Il est pondéré, calculé avec les poids pour tenir compte de la non-réponse. Donc, c'est les poids, je vais s'entrer dans les détails, c'est un ratio entre les poids d'échantillonnage initiaux, de collecte, là, 1 sur 4, donc 4-4. Sur les poids finaux. Donc, si tout le monde répond et qu'il n'y a pas d'ajustement au poids, le ratio est 1. Si j'ai beaucoup de non-réponses, le ratio est plus élevé et ça contribue plus à le taux global de non-réponse. Ça donne une indication du risque du biais de non-réponse. Donc, plus le taux global de non-réponse est élevé, plus il peut y avoir un risque de biais de non-réponse. Ce n'est pas une mesure exacte, est-ce que j'ai un biais ou pas. On ne le sait pas quand il y a un biais ou pas. On n'a pas les données. Si j'ai 20 % de non-réponse, est-ce que j'ai un biais à la fin avec les estimations finales? Ben, on ne le sait pas. Si on savait exactement c'est quoi le biais, ben, on prendrait cette information-là pour faire la correction des estimations. Mais on ne l'a pas. Les données dans les produits standards, les données sont supprimées basées sur le taux global de non-réponse. Donc, si le taux global de non-réponse est au-dessus d'un seuil, les données sont supprimées dans les produits standards. En 2016, le seuil est 50 %. Donc, si j'ai une région géographique, une subdivision de recensement avec un TGN, taux global de non-réponse supérieur à 50, soit pour le questionnaire abrégé ou détaillé, les données ne sont pas présentées aux utilisateurs. On risque à ce moment, on juge à ce moment-là que le risque de biais de non-réponse est assez élevé et que la qualité est moins bonne. En 2011, pour l'ENM, le seuil était 50 %. On avait fixé le seuil à 50 % en l'ENM pour étant donné le caractère volontaire de l'ENM,
Donc, il a fallu faire un ajustement. Au niveau du Canada, on avait un seuil, un taux global de non-réponse de 26 %. Donc, on ne pouvait pas garder un seuil de 25 comme c'était le cas historiquement. Puis à ce moment-là aussi, on a fait des études du biais de non-réponse. On avait des indicateurs de biais de non-réponse qui montraient qu'aux alentours de 50 %, il y avait un accroissement assez important du biais de non-réponse. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a jugé qu'un seuil de 50 % était un seuil acceptable pour supprimer les données ou pas. En 2006, le seuil était de 25 %. À ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement d'études. Le seuil de 25 % c'était pour ce qu'on voulait éliminer les régions qui étaient un petit peu hors de la distribution du taux global de non-réponse, qui étaient un peu aberrantes. Donc, l'approche a été modifiée en cours de route. Je vous donne les résultats. C'est peut-être petit, le résultat. Le taux global de non-réponse du recensement 2011, qui était obligatoire, et le questionnaire abrégé du recensement de 2016. Donc, les taux varient à 3 et 4 %. La dernière ligne, c'est le Canada. J'avais 3,9 % en 2011 et 4 % en 2016. Bon, vous allez me dire, ben, pourquoi c'est plus élevé en 2016? Là, vous dites que c'est super bon. En 2016, comme je le disais, on prend les données du revenu pour le questionnaire abrégé 100 % de la population à partir des données administratives. Donc, pour nous, c'est comme une nouvelle question et ça contribue à de la non-réponse. Et cet élément-là a été ajouté dans le calcul en 2016, ce que je n'avais pas en 2011. Donc, j'ai ajouté une nouvelle composante en 2016 qui fait que c'est un peu plus élevé parce que mon taux d'appariement est un peu plus mon taux de non-appariement est un peu plus élevé que 4 %. Donc, ça influence plus en 2016 qu'en 2011 quand je n'avais pas. OK? Donc, en général, là, les provinces se tiennent toutes là, en temps de 4, c'est un peu plus élevé dans le nord, dans les territoires, parce que la méthode de collecte est différente. C'est du porte-à-porte. Donc, des fois, on est plus à la merci de quand on va faire la collecte, puis ce n'est pas la même méthode exacte. On y va une fois, puis on fait ça pendant quelques jours dans une région donnée, puis après ça, on quitte, les énumérateurs quittent. Donc, ça se peut que d'un recensement à l'autre, il peut y avoir des variations dues à aux conditions météorologiques, la disponibilité des gens lorsqu'on est en présent ou des fois même à le moment de la collecte. Ça, c'était 2011 versus 2016, questionnaire abrégé. Le même tableau, mais pour l'ENM 2011 versus le questionnaire détaillé de 2016. Donc là, on voit la différence entre l'aspect volontaire dans la colonne de gauche et l'aspect obligatoire, dans la colonne de droite. Comme je le disais en 2011, là, au niveau des provinces, territoires, ça varie de l'ordre de 28 à 33 %, donc dans la haute vingtaine. Et pour 2016, sur le questionnaire détaillé, je suis dans les ordres de 4 à 6 %, 8 % pour les territoires. Donc, le taux global de non-réponse est beaucoup plus faible en 2016 au niveau provincial et territorial. Et donc, le risque de biais de non-réponse est beaucoup plus faible qu'en 2011. Ça, c'est seulement au niveau des provinces. Je vais vous donner des exemples au niveau plus géographique, plus fin, où là, il y a beaucoup plus de variabilité entre les deux années. Je parlais d'autres indicateurs de qualité qu'on fournit. Ça, c'était le premier, le taux global de non-réponse. Cette fois-ci, en 2016, avant, on donnait un intervalle. Là, on donne la valeur exacte, soit pour le questionnaire détaillé ou abrégé. Donc, on donne la valeur exacte pour chaque région géographique. Si vous allez sur un profil que vous cliquez, on va vous donner si le taux est-tu 4,5 % ou 7,5 %. Pour le questionnaire abrégé et détaillé. Donc, c'est une nouvelle approche où on essaie de donner un peu plus d'informations sur la qualité des données. Le deuxième élément qu'on donne aussi, c'était les taux d'imputation
par question, par province et territoire pour 2016. Donc, j'ai un tableau au niveau national qui compare pour quelques questions du questionnaire détaillé et aussi quelques questions du questionnaire abrégé, les taux d'imputation. Donc, combien de fois que j'avais de la non-réponse pour une question que j'ai dû imputer. Donc, j'ai 2011, le recensement pour les questions 2 à 9, là, les questionnaires, les recensements du questionnaire, les questions du questionnaire abrégé, et j'ai 2016 aussi. Donc, j'ai sexe en 2011, 1%, date de naissance, 1,4%, 2016, j'ai 2,8, 3,1. Donc, c'est un peu plus élevé en 2016 qu'en 2011. Pourquoi? C'est simplement parce que la façon de calculer les taux d'imputation ont été modifiés entre 2011 et 2016. Je ne le montre pas ici, mais si j'allais juste voir comment les questionnaires ont été complétés, là, le taux de non-réponse est la même chose. Donc, combien de personnes ne répondent pas à la question sur la date de naissance? 2011-2016, c'est à peu près la même chose. À partir de la cinquième ligne, question 12, lieu de naissance et après, c'est les questions du questionnaire détaillé. Puis, ce qu'on remarque, c'est que dans la colonne de droite, surtout vers la fin, en bas de la table, les taux sont beaucoup plus bas que dans la colonne de gauche. Ça, c'est étant donné la méthode de collecte qu'on avait en 2011, étant donné le caractère volontaire, on sait que les gens abandonnaient plus le questionnaire. Ils commençaient puis ils ne se rendaient pas jusqu'à la fin. Puis si quelqu'un ne complète pas le questionnaire jusqu'à la fin, bien, on va imputer les questions de la fin. On faisait ça beaucoup plus souvent en 2011 qu'en 2016. Ce tableau-là est disponible dans le guide du recensement. Dans les guides de référence, vous avez des tableaux similaires, mais par province. On ne donne pas les taux d'imputation pour chaque niveau de géographie parce que là, ça serait trop volumineux. De façon générale, ces taux-là ne varient pas tellement d'une municipalité à l'autre. Le comportement des répondants d'une municipalité à l'autre, que ce soit petit, grand, d'un secteur de recensement à un autre, en général, ça se ressemble, puis c'est assez homogène. Entre les provinces, ça peut changer un petit peu, mais si on compare les provinces où on a la même méthode de collecte, les taux d'imputation, le nombre de personnes qui ne répondent pas aux questions, ça se ressemble. Un autre indicateur de la qualité, les données sur le revenu, j'en ai parlé. Les calculer à partir des taux de couplage, donc entre les taux de couplage entre les répondants sur les questionnaires versus les données administratives d'impôt. Ce qu'on donne aux utilisateurs, c'est un intervalle qui est de 0 à 10 % de 10 à 20, 20 à 30 ou 30 ou plus. Et donc, c'est pas une estimation, mais l'intervalle sur le nombre de personnes pour lesquelles on était capable d'obtenir des données administratives. Donc, pour chaque région géographique, vous avez cet indicateur-là sur le nombre de personnes qu'on a appariées et pour lesquelles on a les données exactes. Je n'ai pas le tableau, mais pour toutes les provinces, l'indicateur est zéro. Donc, on a apparié en bas de 10 %. On a apparié au moins 90 % pour chacune des 10 provinces. Et dans les territoires, ça va de 10 à 20 %. 10 à 20 n'ont pas été appariés et ont été imputés. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt au niveau des territoires. S'il y a moins de gens qui font des rapports d'impôts, donc on ne les apparie pas. Il y a des gens qui ne sont pas appariés aux données de rapports d'impôts, qui n'ont pas fait de rapport d'impôts, mais qu'on apparie quand même au T4, les feuillets des employeurs. Quand on les apparie à ça, on a environ 85 % de toutes les composantes des données sur le revenu. Donc, même si quelqu'un ne fait pas de rapport d'impôt, on peut quand même apparier aux données sur qui viennent des employeurs, le T4. OK, donc c'est ce qui nous permet de compenser beaucoup. Et l'indicateur que je présente ici tient compte de tout ça. C'est un indicateur pondéré. Si j'apparie Monsieur Intel sur les données de revenus à son déclaration de revenus, j'ai toutes les composantes. Mais un autre monsieur, Madame Untel, ça va être plus facile. Madame Untel, je ne l'ai pas apparié à la déclaration personnelle, mais je l'ai apparié au T4.
j'ai à peu près 85 % des composantes de revenus et l'indicateur tient compte de ça. Il est pondéré par rapport à ça. Des questions sur ça? C'est clair? Un dernier, c'est... je ne suis pas sûr si c'est mon dernier. Oui. L'indicateur de la qualité pour... excusez, je vais juste revenir à celle-là. L'étudie. Cet indicateur-là de la qualité des données du revenu, il est disponible soit pour le questionnaire abrégé 100 % ou détaillé 25 % parce que des fois, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il y en a deux indicateurs, un pour le 100 % un pour le 25 %. L'indicateur de la qualité sur les variables sur le lieu de travail. Le TGN que je vous montrais tantôt, c'est basé sur le lieu de résidence. Donc, tous les gens, tous les résidents habituels du Canada ont un lieu de résidence dans une géographie donnée. Et la géographie est basée sur la géographie du logement. C'est quoi l'adresse du logement? Cette adresse-là, c'est dans telle géographie. Donc, c'est un TGN, je l'appelais régulier, entre guillemets, on appelle ça le taux global de nos réponses lieu de résidence. Pour vous, c'est le TGN normal. On calcule un TGN pour le lieu de travail, donc l'adresse du lieu de travail. Dans le questionnaire détaillé, on demande « Avez-vous travaillé la semaine dernière ou l'année dernière? » Et c'était quoi l'adresse? Puis après ça, c'est quoi votre mode de transport pour vous y rendre? Combien de personnes? À quelle heure vous quittez? Etc. Donc, il y a l'adresse du lieu de travail, qui n'est pas l'adresse de résidence habituelle. Mais pour l'adresse du lieu de travail et pour tous les tableaux qui sont en lien avec le lieu de travail, par exemple des tableaux de déplacement, de navettage, on calcule un taux global de non-réponse qui est basé sur cette géographie-là, le lieu de travail, pour la population active de 15 ans et plus. Okay? Il n'y a pas de suppression de données qui est faite à partir de ce taux global de non-réponse lieu de travail. Il n'y a pas de seuil 50 %. On donne une indication seulement. Il y a des limites par rapport à cette variable de qualité, de cet indicateur de qualité-là, parce que quand j'utilise les poids, il n'est pas possible de tenir compte de la non-réponse des personnes par rapport au lieu de travail. Okay? Quand j'ai un logement dans une région géographique donnée, si les personnes du ménage ne répondent pas, je fais un ajustement des poids pour tenir compte d'eux autres. Mais si j'ai de la non-réponse de ces personnes-là pour leur lieu de travail, je suppose qu'ils travaillent, je ne peux pas faire d'ajustement des poids par rapport à ça. Donc, les poids que j'utilise pour ce taux global de non-réponse-là, l'ajustement des les poids que j'utilise pour tenir compte de la non-réponse, c'est les poids du lieu de résidence. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est le mieux qu'on peut faire, étant donné l'information qu'on a. Il est moins connu, moins utilisé. Celui-là, il est plus spécifique vraiment aux variables lieu de travail puis le navettage ici. Un acétate qui résume un peu, il est préparé par Samuel, pour chaque région géographique, j'ai les indicateurs de qualité qui sont associés. Donc, en résumé, dans ce que je viens de décrire, j'aurai pour une géographie ici, la région Aquafort à Terre-Neuve, avec le code géographique qui commence par un 10, j'ai les indicateurs 0 sur la ligne jaune, c'est peut-être petit, là, 00919. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis entre parenthèses, j'ai 2,5 % puis 11,8 %. Je vous disais que le taux global de non-réponse, questionnaire abrégé et détaillé, est donné la valeur exacte. Donc, j'ai les deux valeurs, 2,5 questionnaire abrégé, 11,8 questionnaire détaillé. Et le 00919, chaque chiffre a une signification par rapport à un des indicateurs de qualité que je viens de décrire. Donc, le premier, je n'ai pas parlé, le premier, c'est l'indicateur de dénombrement partiel. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Je vais revenir après, je vais juste présenter les autres. Le deuxième, c'est le taux global de non-réponse du questionnaire abrégé, donc 0, donc c'est inférieur à 10 %. Le 9, c'est par rapport à les données sur le revenu du questionnaire abrégé. C'est un 9, qu'est-ce que ça veut dire un 9? On a supprimé les données pour confidentialité. Il y a moins de 250 personnes. Okay? Le quatrième, c'est l'indice de qualité pour le taux global de non-réponse du questionnaire détaillé. C'est un 1, donc qui est entre 10 et 20 %.
le taux global de nos réponses. On le voit en haut, 11,8. Puis le cinquième chiffre, c'est l'indicateur de qualité pour les données sur le revenu du questionnaire détaillé. Un 9 aussi, on a supprimé pour confidentialité puis avait, parce qu'il n'y avait pas 250 personnes ou 40 ménages. Donc, pour chaque région géographique, vous auriez cette information-là qui peut être téléchargée ou consultée sur le web. Le premier chiffre, ici le 0, qui ça signifie « ne s'applique pas », si la région géographique contient une réserve indienne partiellement dénombrée ou incomplète ou partiellement dénombrée, si la région géographique en contient au moins une réserve comme ça, il y aurait un chiffre qui l'indiquerait. Je regarde au Québec, je ne sais plus c'est combien. Au total, il y a 14 réserves, peut-être 15 ou 14, qui ont été partiellement énumérées ou dénombrées, donc pour lesquelles il n'y a aucune donnée. J'ai aucun chiffre de population de logement. Donc, si je regarde les données du Québec, le premier chiffre m'indiquerait que dans la province de Québec, j'ai au moins une région comme ça. Si je regardais les données d'un secteur de recensement qui contient, pas un secteur, mais une division de recensement, pardon. Si j'ai une division de recensement qui contient une telle réserve, j'aurais le chiffre qui indique que dans ma division de recensement, faites attention, j'ai une région qui a été partiellement dénombrée et pour laquelle j'ai aucune donnée. Ça, c'est un fichier B2020, le Beyond 2020. C'est un des formats qu'on peut télécharger sur notre site. Je ne sais pas, dans le fichier que vous allez recevoir, j'imagine qu'il va y avoir un fichier de métadonnées qui va indiquer ces indicateurs-là. Mais quand on a les dimensions qui s'affichent, il y a un petit « i » en bleu. Ça permet de visualiser les dimensions. Si vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir et ça va vous donner la légende. Donc, ça va vous dire qu'est-ce que ça veut dire 0, qu'est-ce que ça veut dire 9. Si tu reviens juste à deux diapositives avant, là, quand on avait le 9, ben, si ça avait été 1, ça aurait voulu dire entre 10 et 20. Donc, le 9, ça veut dire qu'on ne l'a pas, mais vous voyez la légende. Et à l'intérieur de B2020, on peut voir directement la légende aussi. Des questions? Pas trop dur ce matin? C'est beaucoup de choses. J'imagine que les gens ne vont... Oui. Il y a beaucoup de matériel. J'espère que c'est un peu pertinent dans l'utilisation que vous faites ou futur que vous allez faire. J'espère que de façon globale, ça vous en apprenez un petit peu. Oui. Oui, je voulais seulement simplement savoir s'il y a des groupes de population. Vous avez dans le recensement des groupes de population tels que les groupes d'âge, les minorités visibles, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des groupes de population qui connaissent un taux global de nos réponses qui est particulièrement pour plusieurs recensements? Disons. On n'a pas le taux global de nos réponses est seulement calculé sur une région géographique. Donc, quand les gens ne répondent pas, je ne sais pas quelles étaient leurs caractéristiques d'âge ou tout ça. Donc, si j'ai un ménage qui ne répond pas ou 10 ménages ne répondent pas, je ne sais pas qui habite dans les ménages. Est-ce que c'est des jeunes ou pas des jeunes? Est-ce que c'est des gens avec un diplôme universitaire ou pas? Donc, je n'ai pas d'informations sur mes non-répondants. Je l'ai juste sur la géographie. Donc, on n'a pas d'informations sur ça. C'est ça que... On peut le déduire, mais il faut être prudent par rapport à ça. Parce qu'on sait justement que dans des régions urbaines où il y a une forte proportion d'immigrants, le taux de réponse est plus bas. T'sais. Donc, ça fait partie des stratégies qu'on a dans la collecte aussi. Moi, j'ai commencé ma carrière à Statistique Canada en travaillant dans les opérations du recensement. Puis, dans notre équipe, c'est ça qu'on faisait. On visait certains groupes ethniques, on visait certains secteurs parce qu'on savait que pour un immigrant récent, c'est plus difficile de répondre aux questionnaires du recensement. Donc, ça fait partie des stratégies de collecte. Sauf que c'est ça, c'est que on ne peut pas toujours se fier à l'environnement pour déduire ça. Même si on sait que dans certains secteurs de recensement, par exemple, il y a plus que 50% d'immigrants, le taux de réponse est plus bas, mais on doit être prudent avant de conclure qu'il y a un lien directement entre les deux. C'est juste qu'on a des intuitions là-dessus, puis on a des stratégies pour essayer de contrer ça. Mais... On a vu que dans certains pays, par exemple, les sympathères ou les gens qui vivent ici répondent moins que les gens qui vivent... Non, ben, je veux juste, il mentionne, le monsieur à l'arrière mentionne que dans certains pays, lorsque
quelqu'un vit seul, la probabilité de réponse est plus faible. Donc, on a tout dans les procédures de collecte, c'est qu'on fait des suivis pour ceux qui ne répondent pas pour aller chercher ces gens-là. Mais dans le fond, là, l'anecdote que je donne tout le temps, si vous avez dans un ménage deux adultes, un couple, puis qu'ils reçoivent le questionnaire du recensement, j'ai juste besoin d'une personne sur deux qui va être enjoué, enclin à répondre au questionnaire du recensement, il va le faire. La personne va répondre pour l'autre. Mais si vous êtes tout seul, ben, il faut que la personne, ça y tente. Hein, j'ai pas de. Le voisin ne va pas le faire pour cette personne-là. Donc, ça peut être plus difficile à cause de ça. Et si la personne, elle est seule aussi, quand je vais faire du porte-à-porte après, ben, ça peut être plus difficile d'attraper une personne seule qu'un ménage qui a deux personnes. Et si j'ai un ménage qui a deux personnes, j'ai juste besoin d'un des deux soit présent. Donc, c'est un des aspects, puis on le voit dans les données, quand je regarde les questionnaires retournés selon la date que le questionnaire a été complété, que c'est plus vers la fin qu'on va attraper des personnes seules à cause de ces aspects-là. Mais quand on, juste pour venir, là, quand on fait l'ajustement des poids, l'ajustement, l'imputation pour ceux qui ne répondent pas, c'est fait à un niveau de géographique plus fin. Donc, on suppose qu'il y a une certaine homogénéité dans chaque région géographique, secteur de recensement ou en collecte, on a une appellation géographique différente, mais les suivis pour la non-réponse sont faits à ces niveaux-là et on s'assure que pour chaque niveau géographique plus fin, où ils sont définis de façon plus homogène, on a un taux de réponse suffisant. Donc, si j'ai une région où j'ai beaucoup plus d'immigrants qui vont moins répondre parce que c'est la première fois qu'ils voient le questionnaire, il peut avoir des problèmes de langue, de compréhension, on envoie plus de gens, on fait plus de suivi, on y met d'approche de communication où on peut offrir le questionnaire de l'aide dans d'autres langues autres que le français et l'anglais pour assurer un taux de réponse plus uniforme et moins de variabilité. Autre question, c'est que dans les autres recensements, vous avez dit que les secteurs de recensement sont homogènes. Ce sont les divisions géographiques les plus homogènes d'un recensement à l'autre. Est-ce que ça sera le cas également pour les ADA dans le futur? Ils ne sont pas nécessairement homogènes par rapport à la population. Ils sont homogènes c'est les limites géographiques qui vont changer le moins entre deux recensements. Donc, les ADA, en général, respectent les limites géographiques des secteurs de recensement. Okay, puis souvent là, c'est sont définis par les municipalités, ces limites géographiques. C'est pas nécessairement une population homogène. Oui, ça peut l'être, mais c'est pas un aspect qu'on va retrouver partout, là. Donc, je vous ai parlé des indicateurs de qualité des erreurs non dues à l'échantillonnage. On a fourni pour les erreurs dues à l'échantillonnage, pour les estimations du questionnaire détaillé, les erreurs types qui ont été publiées au début de 2018 pour les aires de diffusion agrégées. Ces erreurs types-là sont aussi disponibles pour les divisions de recensement province et territoire et Canada dans les produits standards. Tu me corrigeras si ce n'est pas correct. Je sais que si vous avez des requêtes personnalisées, ces erreurs types-là peuvent être fournies sur demande, dépendamment de des contraintes de ressources que l'on a, de la capacité de nos systèmes à les produire. Okay, pour calculer ces erreurs types-là, la variance, si on veut, là, on appelle ça. Donc, il y a certaines limites de nos systèmes. Parce que les bases de données sont énormes. On utilise la méthode des poids de réplique pour le faire. Et si la demande est trop volumineuse, le nombre de tableaux, le nombre de cellules qui seraient produits et les erreurs types associées à ça, ça pourrait être trop élevé et pas possible à produire. Donc, il y a certaines limites qui existent. Aux fichiers de microdonnées qui ont été mis accessibles dans les centres de données de recherche, il y a des poids on appelle ça des poids de rééchantillonnage. Ils ont été ajoutés, il y en a 100, c'est des poids des répliques. Donc,
je ne veux pas trop aller dans les détails, mais ces poids des répliques-là, pour chaque observation, chaque personne, chaque enregistrement, il y a 100 poids des répliques et ils peuvent être utilisés pour calculer les erreurs types ou des intervalles de confiance ou des coefficients de variation. Dans le guide d'utilisateur des fichiers de micro-données des centres de données de recherche, il y a des instructions, il y a un chapitre qui a été écrit avec des exemples sur comment interpréter les erreurs types, comment calculer des intervalles de confiance, comment faire des tests statistiques à partir d'informations qui sont fournies. On a aussi mis des exemples en SAS et en Strata sur comment utiliser les poids des répliques. Il y a aussi des avertissements qui suggèrent fortement d'utiliser les 100 poids des répliques toujours pour calculer les erreurs types. C'est assez bien détaillé, assez bien écrit. Donc, si vous avez à faire des tests statistiques, comparer deux proportions de population pour savoir si la différence est statistiquement significative ou pas, il y a des exemples qui sont fournis sur comment le faire. Ces poids des répliques-là de rééchantillonnage sont fournis pour 2016, mais si vous aviez à travailler avec 2006, il n'y en a pas. Donc, si pour 2006, vous devez estimer l'erreur type, dans le guide technique de 2006, il y avait une méthode qui était expliquée pour approximer les erreurs types. Mais ce n'est pas parfait, c'est une méthode pour approximer. En 2011, j'ai un blanc de mémoire, je pense qu'il n'y avait pas de poids de réplique de fourni dans les centres de données. On avait produit quelques erreurs types, mais c'était beaucoup plus à un haut niveau. On a aussi diffusé fin 2017 que dans les documents de référence du site web, il y a une note sur la comparabilité des erreurs types du recensement 2006, 2011 et 2016. Donc, sur la note que je vous invite à lire, on compare pour ces trois cycles-là les erreurs types pour certaines questions du questionnaire détaillé pour certains niveaux géographiques. Ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur des erreurs types selon vous regardez pour une province ou selon certaines subdivisions de recensement. Donc, c'était fourni seulement pour 9 caractéristiques du questionnaire détaillé. Puis, on a ajouté 4 subdivisions de recensement. Ça donne une idée, c'est quoi, quel type d'erreur, l'ordre de grandeur d'un erreur type selon le niveau de géographie que je regarde ou selon l'estimation que je regarde. C'est-tu une estimation pour une petite population ou une grande population? Ça vous donne juste une petite idée de c'est quoi l'ordre de grandeur et comment ces erreurs types-là ont évolué de 2006 jusqu'à 2016. En 2016, les erreurs types sont plus petites par rapport à 2006 et 2011, notamment parce que j'avais un taux de réponse plus élevé et parce qu'en modifiant la méthode de pondération en 2016, ça a permis de réduire les erreurs types qui sont calculées à partir des estimations. Un autre aspect de la qualité des données que je parlais, pas relié à une erreur de non-échantillonnage, les erreurs de couverture. Donc, dans le recensement, on compte tous les résidents habituels, mais on sait qu'il y a des gens qui sont comptés deux fois et on sait qu'il y a des gens qui sont manqués. Donc, on a des erreurs de couverture. D'accord? Le surdénombrement, c'est quoi? On est capable d'estimer le nombre de personnes qui ont été énumérées deux fois. Donc, un enfant en garde partagée peut avoir été listé dans le questionnaire de papa et listé dans le questionnaire de maman. Un étudiant pourrait avoir été listé à Montréal s'il venait étudier à l'Université de Montréal. Puis chez papa ou chez maman, si eux autres habitaient à Ottawa ou à Gatineau. Ça va? Donc, quelqu'un peut être listé deux fois. Et il y a plein de possibilités comme ça. Là, je vous donne juste deux exemples. Il existe d'autres exemples aussi.
pour estimer le surdénombrement, bon, mais c'est pas compliqué. On regarde dans. C'est pas compliqué. C'est un petit peu plus compliqué que ça, là, mais Laurent Roy avec une date de naissance, là, XYZ, il y en a-tu plusieurs dans le fichier? Si on trouve deux Laurent Roy, même date de naissance, je ne sais pas, fort possiblement du surdénombrement. Le sous-dénombrement, c'est une estimation du nombre de personnes manquées dans le recensement par rapport à la population cible du recensement. Dans les techniques, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a différentes sources de données qui sont utilisées pour estimer le nombre de personnes que l'on manque. OK? Il y a toujours des personnes manquées au recensement. Ce n'est pas nouveau. Des gens surdénombrés, ce n'est pas nouveau non plus. C'est un aspect qui a toujours été présent. Malgré le taux de réponse, il y a différentes raisons pour avoir ces erreurs de couverture-là. Il n'y a rien qui est parfait. Et de façon générale, plus la population va être mobile, plus les gens vont avoir deux résidences, une pour travailler, une pour aller à la fin de semaine ou un chalet, n'importe quoi, plus les gens sont mobiles, etc., ça peut augmenter le risque des erreurs de couverture. Donc, si tout le monde restait à la même place pendant 15 ans, sans jamais bouger, rien, les risques de couverture, des erreurs de couverture pourraient être plus faibles. Quand on combine les deux, on a ce qu'on obtient le sous-dénombrement net. L'estimation totale du sous-dénombrement du recensement. Qu'est-ce que j'ai pour 2016 par rapport à 2011? Attention, gros avertissement. Ce qui est dans la colonne de droite, c'est des estimations préliminaires. OK? Donc, ils ont été diffusés, n'ont pas été diffusés, ils ont été mis à la disponibilité des utilisateurs à la fin mars sur demande. Donc, si vous allez sur le site web, ils ne sont pas nécessairement diffusés, mais ils sont disponibles sur demande. Dans la colonne de gauche, c'est les estimations finales de 2011. Donc, j'y regarde préliminaire avec final. Là, je vous donne ça juste à titre d'indication. Si je regarde la première ligne, sous-dénombrement 2011, le taux estimé de personnes manquées était 4,07% versus 4,39% l'estimation préliminaire en 2016. L'estimation finale va être diffusée au début de l'automne, là, septembre, octobre, je n'ai plus la date exacte. Donc, en 2016, l'estimation préliminaire me dit que j'aurais manqué 4,39% de la population cible. C'est souvent, pas tout le temps, on sait que historiquement, c'est souvent des jeunes, plus des jeunes, pas juste des jeunes. Oui? Est-ce que c'est aussi tout le ville de Fort McMurray? Ah, on a tenu compte de ça. Mais pour Fort McMurray, on avait du monde, là. Ça tient compte de toute la géographie du Canada. Le surdénombrement, c'est l'estimation de ceux qu'on a compté deux fois. 1,85% versus 1,96% en 2016, estimation préliminaire, ce n'est pas final. Donc, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Comme ça, je le disais, quand on compare, c'est souvent, c'est plus des jeunes, des enfants en garde partagée. Il existe du surdénombrement pour tous les groupes d'âge, mais il y en a un peu plus pour les enfants. Le sous-dénombrement, il y en a pour tous les groupes d'âge, mais il y en a un peu plus pour les jeunes de 20 à 30 ans. Et un peu plus chez les hommes de 20 à 30 ans. Et le sous-dénombrement net, c'est la différence entre les deux. Donc, j'ai 2,22% en 2011, préliminaire 2016, 2,43%. Donc, quand on regarde les résultats du recensement 2016 par caractéristiques, par groupe d'âge, par sexe, langue, il faut tenir compte qu'il y a quand même du sous-dénombrement. Puis 2%, bien, c'est quand même pas non négligeable en chiffre brut. 2% de 36 millions, c'est quand même beaucoup de monde. OK? Ce sont des excellents taux par rapport à d'autres recensements dans d'autres pays, mais c'est des choses qu'il faut tenir compte un petit peu. Si quelqu'un comparait ça avec les estimations de population de Statistique Canada, il y a des différences. Puis on explique les différences dans le guide du recensement.
Comme je le dis, ça varie d'une province à un territoire à un autre, ça varie par groupe d'âge, il y a des différences. Et quand on diffuse les données, les estimations finales, on explique un peu toutes ces différences-là. Et il y aura un guide qui sera diffusé en 2019 qui explique comment ces estimations-là sont calculées et on donne un peu plus de précision par groupe d'âge, les estimations, par sexe et par certaines caractéristiques lorsque cela est possible. Des questions sur les indicateurs de qualité? J'avais jusqu'à 11h15 à peu près, c'est ça? C'est bon? Comparabilité avec 2011 et 2006. Quelques grandes lignes. Comme je disais, je vais avoir quelques acétates sur des sujets du recensement, mais je ne suis pas un spécialiste. Donc, si vous me demandez, ah là, je veux comparer telle variable sur l'éducation avec telle autre variable, est-ce que je dois croiser ou prendre telle variable du fichier de microdonnées, je ne serai peut-être pas en mesure d'en répondre. Je vais essayer. On peut prendre vos questions en note. Donc, je vais essayer de rester un peu plus général. Comparabilité avec 2011-2006, bon, je pense que j'en ai déjà parlé. La prudence, lorsqu'on compare les estimations de deux enquêtes, si une était volontaire, obligatoire, différence dans les taux de non-réponse peut être importante, ça peut avoir un impact. Différence aussi sur la méthodologie ou la population cible. 2016-2011, j'en ai parlé, caractère obligatoire, volontaire. Donc, ce qu'on recommande souvent en général, c'est de se référer à 2006, là où le recensement, le questionnaire détaillé était obligatoire. Ça ne veut pas dire que 2011, ce n'est pas bon, on n'a jamais dit ça, mais il existe plus de variabilité pour des petites régions géographiques qu'il faut tenir compte. Lorsqu'on a diffusé les estimations de l'ENM 2011, on comparait ces estimations-là avec d'autres sources de données, avec les recensements précédents et les tendances se tenaient. Les comparaisons se tenaient aussi et de façon globale, il n'y avait pas d'enjeu majeur de qualité. Il faut se rappeler aussi que l'ENM 2011, je montrais qu'il y avait un taux de réponse de 68%, c'était le non pondéré. On avait un taux pondéré qui permettait de tenir compte de notre méthode de collecte qui avait été bâtie pour minimiser le biais de non-réponse, avait un taux de réponse pondéré de 79%. L'ENM 2011. 79%, ça se compare à toutes les enquêtes sociales de Statistique Canada. Donc, c'était aussi bon. Il y a juste des variabilités qui étaient plus grandes, des variabilités du taux de réponse entre les différentes géographies. Il faut tenir compte quand on compare deux enquêtes, deux recensements de la population cible, aucun changement entre 2016 et 2011. Je l'avais dit, les résidents habituels des logements collectifs ont été exclus de la population cible. Par contre, en 2006, pour le questionnaire détaillé, les résidents des logements collectifs non institutionnels étaient inclus. Donc, c'est à peu près 100 000 personnes. Donc, si quelqu'un comparait 2016 avec 2006, questionnaire détaillé, il faudrait tenir compte un peu de cette différence-là. À la marge, ce n'est pas beaucoup, 100 000 personnes sur 30-35 millions de personnes qu'il y avait en 2006-2016, mais c'est quelque chose que pour une certaine région géographique pourrait avoir un impact si on compare les deux. Le biais de non-réponse, j'en ai parlé, plus la non-réponse est élevée, plus le risque est élevé, c'est un risque. Pendant la collecte de l'ENM, on avait des procédures de suivi pour minimiser ce biais-là. Donc, pour maximiser le taux de réponse et contrôler le biais potentiel. Et on avait étudié, calculé des indicateurs de biais qui avaient été faits à partir des données appariées au recensement précédent. On n'a pas diffusé ces indicateurs-là parce que ça reste des indicateurs, ce n'est pas des estimations du biais de non-réponse. Mais ça nous a permis de confirmer que de façon globale, les estimations de l'ENM un niveau géographique plus élevé était de bonne qualité. Je vais vous donner quelques exemples des variations du taux de réponse entre 2011 et 2016.
J'aurais pu faire des graphiques avec des points, mais des fois, j'aime mieux avoir juste quelques exemples. Ça peut être plus facile à comprendre. Je disais qu'il existe des variations importantes du taux de réponse à l'ENM par rapport à différentes régions. Des variations qu'on a beaucoup moins ou presque pas pour 2016. Donc, je vous parlais du taux global de non-réponse, le TGN. Je vous donne le TGN 2011-2016 pour 5 subdivisions de recensement. Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, puis deux municipalités plus petites au Québec. Trois-Rives, puis Bolton S en Estrie. C'est juste à titre d'indicatif, c'est juste pour illustrer le propos que je disais. Le taux global de non-réponse 2011 du recensement obligatoire, Montréal, j'avais 4 % 3,5 à Sherbrooke, 3,7, 5,5, 6,2. Donc, peu de variabilité au recensement 2011. Questionnaire abrégé, 10 questions obligatoires. Le TGN de l'ENM 2011, par contre, j'ai beaucoup plus de variabilité, de 16,7 à 47,5. Donc, il y a beaucoup de variabilité entre mes taux de réponse, le taux global de non-réponse pour juste ces 5-là. J'aurais pu vous faire un beau nuage de points, ça aurait montré la même chose. Je voulais prendre des chiffres exacts. Pour 2016, j'ai le TGN abrégé détaillé pour les 5 mêmes subdivisions de recensement. Puis là, on voit que la variabilité du TGN est beaucoup plus faible. L'histoire se tient. Abrégé, détaillé, et que ce soit une grande municipalité, une petite municipalité, il y a peu de différence. Donc, comparé 2016 à 2011, quand je veux un niveau détaillé plus petit, plus fin, par exemple, les deux dernières municipalités, mais il y a des différences importantes du taux global de non-réponse. Si je prends Trois-Rives, j'avais 47 % en 2011 versus 4 % en 2016. Donc, le risque de biais de non-réponse est beaucoup plus élevé en 2016, en 2011. C'est un risque. Est-ce qu'il y a un biais de non-réponse en 2011 à Trois-Rives? Je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas l'information pour aller à ce niveau-là pour dire oui ou non. Ce n'est pas blanc ou noir, malheureusement. En statistique, c'est souvent ça. Ce n'est pas blanc ou noir. Tout est bon. Ou ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on a des indications du risque de biais potentiel. Puis en 2016, si je le faisais pour toutes les municipalités, comme je le disais, il y a beaucoup moins de variabilité. Les taux de réponse étaient bons presque partout. Les taux d'imputation plus élevés en 2011 par rapport à 2016, je vous ai montré un tableau tantôt où je comparais pour différentes questions. Les taux d'imputation en 2006 étaient aussi un peu plus élevés par rapport à 2016. Dans ce temps-là, on avait moins de questionnaires Internet, puis on sait que les questionnaires Internet, j'ai plus de réponses. Les gens se sentent plus forcés de répondre à toutes les questions, ou c'est dans la culture Internet, on répond partout. On a aussi des messages de validation si vous ne répondez pas, dans des rappels. Donc, j'ai plus de réponses quand c'est répondu par Internet. Puis comme j'ai plus d'Internet en 2016 qu'en 2006, donc j'ai un peu plus d'imputations en 2006. J'avais plus de gens qui sautaient des questions. Je vous donne juste un autre exemple maintenant sur les données sur le revenu. OK? Donc, c'est les chiffres qui sont là, sont disponibles sur le web. Si quelqu'un voulait comparer les données du revenu 2016 et 2011 pour des niveaux géographiques plus petits, il y a certaines précautions qui sont importantes. Dans les guides, on recommande comparer 2016 avec 2006. Je vous donne quelques exemples. J'ai encore pris les mêmes subdivisions recensement, sauf la dernière. Je vous montre juste le taux de non-réponse ménage pondéré de 2011. À Montréal, 26 % n'ont pas retourné l'ENM 2011, pas complété le questionnaire de 2011. Sherbrooke, 22 % 39, 33 pour les deux autres. Ce qu'on disait en 2011, c'est que ceux qui retournaient le questionnaire de l'ENM, j'en ai à peu près 40 % qui ne répondaient pas aux données sur le revenu. Ils ne se rendaient pas là. Soit qu'ils ne donnaient pas la permission, qu'on utilise les données du revenu, soit qu'ils ne répondaient pas à la question, qui était équivalent à un non, ou on n'était pas capable d'apparier. Donc, j'avais à peu près une 40 % de non-réponse pour les données du revenu en 2011 pour le Québec. Puis, si j'applique ce 40 % %-là aux municipalités, bien, ce que ça me dit, la première ligne, Montréal,
Bon, 26 % ont pas répondu. Donc, le reste, c'est 74 % à peu près, ont répondu. Et parmi ceux qui ont répondu, 74 %, ben, j'en ai 40 qui n'auraient pas répondu aux données du revenu. Donc, ça fait beaucoup d'imputations ou d'ajustements. Qu'est-ce que j'ai pour 2016? Ben, à Montréal, 2,4 % n'ont pas répondu au questionnaire abrégé. Donc, je ne pouvais pas les apparier aux données de revenus. Ils n'ont pas répondu. Puis parmi ceux qui ont répondu, ben, je sais qu'à Montréal, j'en ai pas apparié en 0 ou 10 %. Donc, au maximum, c'est 10 que je n'ai pas apparié. Bon, parmi ceux qui ont répondu, j'en ai au maximum 10 qui n'ont pas répondu. Donc, la différence, si je regardais les données du revenu pour Montréal 2016 et 11, il y a un aspect important par rapport à la qualité qu'il faut tenir compte. Donc là, je comprends, c'est des comparaisons pour des localisations géographiques assez petites. Mais si je voulais, par exemple, regarder la distribution des revenus au Québec, donc au niveau provincial, est-ce qu'une comparaison 2011-2016 serait pertinente? Au niveau provincial, quand on comparait, quand on estimait 2011, si on comparait avec d'autres sources de données, les données de taxes, les données étaient jugées de bonne qualité, suffisantes. Mais si quelqu'un voulait comparer cette distribution-là, puis aller creuser dans des petits groupes de population, les hommes de 20 à 24 ans qui sont immigrants dans les 5 derniers, il peut y avoir des risques là, plus importants. Okay. Malheureusement, ce n'est pas blanc ou noir. Je ne peux pas dire ici c'est bon, là c'est pas bon, ici c'est bon. Mais on recommande plus les comparaisons 2006-2016 quand c'est des niveaux géographiques plus petits ou pour des groupes de population plus petits. Dans le fichier de données, moi, je suis plus familière avec le FMGD, il reste des valeurs manquantes qui sont codées, soit, bon, il y a des cas de valid skip, ça, c'est ne s'applique pas, mais il y a quand même des refus, il y a des... Ça, est-ce que c'est des cas, est-ce que dans certains cas, c'est qu'il y a des variables pour lesquelles vous ne faites pas d'imputation ou c'est des cas où vous n'avez pas pu en faire? Je ne sais pas. Ça me prendrait un exemple, parce qu'en général, les données qui sont diffusées, on va tout imputer partout. L'ensemble de données va être complet et cohérent. Il y a peut-être quelques exceptions. Dans le FMGD, en tout cas, il me semble qu'il y en a des cas de codes de valeur manquante. Puis qui ne sont pas reliés à des sauts logiques dans le questionnaire? Ouais, si quelqu'un ne travaille pas, il n'y a pas de... C'est pas ce, non, il me semble que ce n'est pas seulement des enchaînements, des valid skip, là, justement, là. Des fois, c'est dur. On peut avoir des revenus de zéro. Des fois, il y a un défi à savoir est-ce que c'est des vrais zéros ou pas des vrais zéros. Il y a des gens qui ont des revenus négatifs ou des revenus à zéro. Donc, ça peut être ça. Mais normalement, si ça voudrait que je le revoie dans le fichier, normalement, c'est déjà c'est après imputation. Donc, il devrait pas avoir de. Il peut avoir des zéros ou des non applicables, mais il ne devrait pas avoir de refus, en tout cas. Moi, j'ai un exemple, mais s'il y a une variable qui est imputée qu'on fait, on vous fournit la variable finale imputée. Là. On ne vous fournit pas des variables intermédiaires pour que tout le monde ait le même ensemble de données. Donc, si quelqu'un fait une recherche sur le sujet A, puis une autre personne fait la même recherche, il faut que les résultats, les estimations soient les mêmes. Comparabilité 2011 et 6. C'est un aspect qui est à considérer quand on regarde des petits niveaux géographiques. Le chiffre de population du questionnaire abrégé, si je prends une région géographique donnée, le chiffre de population calculé à partir du questionnaire abrégé peut être différent de l'estimation de la population du questionnaire détaillé. Je vais expliquer ça. Si j'ai une petite municipalité de 100 personnes, 50 hommes, 50 femmes, calculés à partir du questionnaire abrégé, il est possible que si je regarde les estimations du questionnaire détaillé de cette même municipalité-là, je n'ai pas 50 hommes et 50 femmes. Ça peut être 40 hommes et 70 femmes. Je prends un exemple extrême, là, mais il existe des différences. Quand on calcule les poids, qu'on fait des ajustements,
on les fait au niveau des ADA et on essaie de s'assurer que l'estimation de la population est le même que le chiffre calculé sur 100%. Mais il peut y avoir des différences pour des petites régions géographiques. Et cela a toujours existé. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas l'ENM, ce n'est pas 2016. Il y a toujours eu cet aspect-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Je vous donne encore des mêmes exemples, des mêmes subdivisions de recensement. J'ai 2011-2016. J'ai ma population dans les logements privés, la population estimée, ça c'est l'ENM. Quand je dis estimée, ça veut dire que ça vient d'un échantillon. 2016, j'ai la population logement privé, 100% de la population, et j'ai la population estimée, donc la population estimée à partir de l'échantillon du questionnaire détaillé. J'ai Montréal, il n'y a pratiquement pas de différence là. On parle des différences très petites, là, mais c'est l'arrondissement aléatoire souvent. Sherbrooke, Trois-Rivières, c'est pratiquement la même chose. Mais quand je regarde Trois-Rives, 490 en 2011, population 100%, 490, population estimée de l'ENM. 2016, j'ai 395, population calculée sur 100%, et 395, la population estimée sur l'échantillon. Donc, ça va, c'est la même chose. Mais j'ai d'autres cas. Par exemple, je vais prendre la dernière ligne, Sainte-Rita, où j'ai des différences entre la population calculée sur 100% versus la population estimée. En bas à droite, là, en 2016, j'ai 305 personnes à Sainte-Rita dans les logements privés et la population estimée, c'est 275. Si j'allais voir le profil de Sainte-Rita, donc, j'aurais 305 personnes là, par groupe d'âge, sexe, langue maternelle. Et quand j'arriverai sur les estimations détaillées de Sainte-Rita pour l'immigration, les peuples autochtones, l'éducation, pas l'éducation parce que c'est 15 ans et plus, là, mais j'aurais 275 personnes estimées. Donc, quand j'ai une petite région géographique, j'ai des différences comme ça. Je les avais en 2000, j'en avais beaucoup plus en 2011 qu'en 2016. Étant donné les variabilités dans les taux de réponse qui rendent plus complexe le calcul des poids, l'ajustement, mais cet enjeu-là, différence-là, existe aussi en 2016. Comparabilité 2011-2016, plus spécifique à certaines variables sur les langues. Donc, quelqu'un, entre 2006 et 2011, il y a eu des changements dans la structure des questions sur les langues et dans la structure des réponses. Les questions sur les langues en 2006 étaient sur le formulaire détaillé et les questions sur les langues en 2011 étaient sur le questionnaire abrégé, obligatoire. On s'est aperçu qu'en déplaçant les questions et en les mettant dans un contexte un peu différent, j'avais plus de réponses multiples à les données sur les langues. La langue maternelle. J'avais plus de personnes qui répondaient deux langues maternelles au lieu de une en 2011 par rapport à 2006. Et ça a eu un impact un peu sur les comparaisons entre 2006 et 2011. Les estimations, les données de 2016 et 2011 sont donc plus comparables que par rapport à 2006, étant donné cette différence-là. Aussi en 2016, sur le questionnaire électronique, qui est utilisé par le plus de personnes, on a rajouté ce qu'on appelle des vérifications, des édits. Donc, dans le cas où certaines réponses étaient inscrites sur le questionnaire électronique, par exemple, langue maternelle, quelqu'un disait chinois, on demandait, voulez-vous préciser, par exemple, mandarin? Et on sait qu'il y a plusieurs réponses qui ont été modifiées suite à ces vérifications-là, ces messages-là. C'est des messages qu'on ajoute pour certaines questions, là où il y a des réponses ouvertes, ou quand la réponse elle est vague, on demande de préciser. Par exemple, par rapport aux variables de langue, mais si je dis « quelle est votre occupation? » puis quelqu'un dit « professeur », on demande « professeur, à quel niveau? » ou « quelle est votre occupation? » « ingénieur. » Mais pouvez-vous préciser « ingénieur civil ou mécanique ou etc. » Puis on sait que les gens apportent plus de précision dans ce cas-là. Et en ayant plus de précision, bien, il y a une meilleure qualité des données,
mais ça peut affecter un petit peu la comparabilité avec le cycle précédent quand je n'avais pas ces vérifications-là. Donc, si quelqu'un comparait le nombre de personnes qui ont déclaré langue maternelle chinoise en 2016-2011, il devrait considérer ces changements-là. D'autres changements rapidement à tenir compte pour la comparabilité. L'origine ethnique est une question où on donne des exemples. Quelle est l'origine ethnique de la personne? Et on donne plusieurs exemples. On sait que les exemples vont influencer les réponses. Et en 2016, on avait ajouté dans la liste d'exemples deux exemples, iranien et mexicain, et on avait retiré juif et salvadorien. Les exemples sont basés toujours sur le recensement précédent, les réponses du recensement précédent. OK? Les réponses uniques du recensement précédent. Et étant donné les réponses de 2011, on a changé les exemples, mais on sait qu'en changeant les exemples, ça change les estimations. Dans l'ordre des exemples qu'on avait fournis en 2016, l'exemple chinois a été déplacé de la quatrième position à la troisième. Et français a été déplacé de la troisième à la quatrième. Et si on regarde, compare les estimations 2011 et 2016, c'est difficile de mesurer exactement c'est quoi la différence qui est due à l'ordre des exemples, parce qu'on ne le sait pas, mais on sait que ça a eu un effet. Éducation, comment ça me manquait de temps un petit peu? Pas loin. Je vais passer rapidement. Je n'aurai peut-être pas le temps pour l'extra. Non? Faux? Faux l'extra ou pas l'extra? Faux l'extra, OK. Éducation. On sait que... On sait que dans les questions sur l'éducation, le niveau de scolarité... il y a souvent des erreurs de réponse dans ce qui est déclaré. L'éducation est de juridiction provinciale. Ce n'est pas tout le monde qui ont les mêmes concepts d'une province à l'autre. Il peut y avoir de la surdéclaration ou de la sous-déclaration dépendant du niveau d'éducation que vous regardez. Et ça se peut que ça ait eu un impact, la modification des questions ait eu un impact en 2011 et 2016. Donc, en gros, c'est le message. Par exemple, le certificat universitaire inférieur au baccalauréat, on sait qu'avant, il y avait une surdéclaration. Les gens allaient écrire quelque chose là, selon nos tests, ils surdéclaraient un certificat inférieur au bac. On a tenté de modifier les instructions pour minimiser ce genre d'erreur de réponse-là. On sait que ça a eu un effet positif, mais qu'il y a encore des erreurs de réponse par les répondants. Donc, la comparabilité avec 2011 et 2006, il faut faire un petit peu attention si vous alliez voir des niveaux détaillés plus fins sur les variables d'éducation. Même chose sur la fréquentation scolaire. On a modifié les instructions pour essayer de minimiser les cas où il y avait des gens qui déclaraient aller à l'école, mais ce n'était pas le cas. Il y avait une mauvaise compréhension de la question avant. Il y a des gens qui déclaraient aller à l'école parce qu'il y avait des classes de cuisine ou de vin. Donc, on a rajouté des instructions. Bon, c'est pour avoir un diplôme. Puis, on sait aussi qu'il y a une surdéclaration un petit peu en 2016 qu'on a tenté de minimiser parce que les gens pensaient que, je vais à l'école, j'ai déjà fréquenté l'école secondaire, collégiale, universitaire. Mais si on demande, c'est depuis septembre 2015, combien... Est-ce que vous êtes allé à l'école pour obtenir un diplôme? Pas dans votre vie. Donc, ça, on a corrigé un petit peu, mais qu'il pourrait avoir encore un petit peu de surestimation. Lieu de travail, ça, c'est pas par rapport à la comparabilité, mais c'est plus un avertissement. Si vous avez à utiliser les données sur le lieu de travail, la distance de navettage, quand on calcule la distance, c'est pas parfait, c'est la distance à vol d'oiseau. À ce que je cherche, il n'y a personne qui va travailler en volant. Non. Donc, il peut y avoir une estimation qui n'est pas tout à fait exacte de la distance. Et même si je calculais la distance moi-même avec Google Maps, ça ne veut pas dire que vous prenez ce chemin-là. Non? Si je vais travailler en vélo, le plus rapide, c'est 10 km, mais
Si je prenais ce chemin-là, je ne serais pas ici en ce moment. Je me serais fait écraser, ça fait longtemps. Fait que, tu sais, on prend un autre chemin, puis on ne demande pas la distance parcourue. Donc, nous, on l'estime, c'est un vol d'oiseau, donc ce n'est pas parfait. Aussi, quand on calcule la distance de navettage, c'est calculé entre le lieu de résidence habituel, donc l'adresse du logement, puis le lieu de travail. Mais ça se peut que, par exemple, ça se peut que le lieu de travail, puis là où je restais quand je travaillais, ce n'est pas exactement le même lieu de résidence. Par exemple, mon lieu de résidence habituel, c'était à Ottawa. J'ai un condo à Montréal parce que à chaque semaine, je viens à Montréal pour travailler, puis je travaille à l'Université de Montréal, puis mon condo, c'est deux blocs à côté ici. On reçoit le questionnaire à Ottawa, lieu de résidence, mon chum, ma blonde, le complète. OK? Puis je suis énuméré à Ottawa. Lieu de résidence, Ottawa. Mais là, la personne a écrit que je travaille à l'Université de Montréal. Donc, c'est quoi ma distance de navettage? Bien, on ne l'a pas, là. On n'a pas inscrit nulle part sur le questionnaire que je restais à deux blocs de l'Université de Montréal. Donc, il peut y avoir une surestimation à cause de ça. Là, vous me direz, bien, tu ne peux pas faire 200 km à chaque matin. Non, non, mais est-ce que je peux faire 50 km ou 75? C'est possible, il y en a qui le font, là. Donc, on n'a pas l'information exacte pour estimer de façon précisément c'est quoi la distance de navettage. Donc, c'est un aspect qu'il faut considérer lorsqu'on utilise ces données-là, que ce sont des estimations puis qu'on n'a pas de contrôle parfait là-dessus. Ça termine avant l'extra. Des questions, des commentaires? J'espère que ça répond un petit peu à vos attentes. Pour toi, c'est pour savoir, les diapositives seront disponibles sur le site du... D'accord, OK, parfait, merci. Je vais rester après s'il y a des questions aussi. Est-ce qu'on prend une pause ou je vous donne l'extra tout de suite? On pourrait prendre une pause, un petit café rapide, puis il faut être de retour parce que c'est un projet, là, l'extra, c'est un projet très intéressant qui va être présenté. Oui, en fait, je ne l'avais pas dit, là, mais... Non. Non plus. Ben là, c'est un projet de recherche. Là. C'est donc, pas... nos participants par web diffusion, soyez de retour dans une quinzaine de minutes. Ben, je ne l'ai pas copié encore, je n'ai pas eu le temps. Merci, j'espère que ça répond. Ouais. Ah, c'est toi. Non, ben non, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, ouais, je n'ai pas une bonne mémoire. Sur que... Je suis là une fois par année. OK. Quand je suis venu ici, tantôt, je me disais, mais ça, je suis déjà venu ici, mais je me rappelais plus tard. Ouais, tu avais vu un séminaire ici, tu peux faire un séminaire à l'église. Ah oui? Ouais. Ah oui, oui, oui. Ça remonte déjà au moins. Ouais. Ouais. Des fois, ça me semble tellement loin, mais tellement proche aussi. C'était plus chaud. Contexte. Ouais, ben ouais, ouais, mais dans mon. Sauf que nous, moi, c'est. Oui, 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 tu t'en tirerais extrêmement ouais, bien, mais disons que les chercheurs étaient. Tout politique. Étaient plus remontés. Je contrôle pas ça, là, ce que le gouvernement veut faire ou pas faire. Là. Je lis les journaux comme tout le monde, puis. En tout cas, écoute, non, ça va vraiment être utile, puis aussi. Ça va constituer une espèce de document de référence. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, j'ai pas réponse à tout. Spécifique. Je vais faire une pause. Oui, oui, oui. Comment ça va? La classe. Ça va bien? Voilà, ouais. Je vais t'occuper au mois de mai et au mois de juin, mais après, je vais pas savoir. Ok. J'ai l'impression que tout le monde fait ses affaires avant l'été. Et après, à date, j'ai rien
Oui, vous aviez eu quelqu'un qui est venu aussi de Dawa, là, j'ai vu pour l'enquête sur l'innovation. Oui, c'est ça, on avait assisté toute une journée. OK. Oui, oui, quelqu'un qui est responsable de ça. Non, c'est ça, je me suis rendu compte. En mai, il y a beaucoup, beaucoup de conférences académiques aussi. Puis après ça, juin, il y en a encore un petit peu. Puis après, c'est vraiment. Puis là, il va y avoir un gros pic. Oui, c'est ça, ça recommence à la rentrée. Nous, là, on le voit, c'est une période la plus. Pour le nombre de demandes qu'on reçoit, c'est vraiment au mois d'octobre qu'on en a le plus. Parce que les étudiants viennent, puis ils appellent plus les profs aussi. Là. Puis là, c'est ça, il reste quelques événements la semaine prochaine, mais juillet, août, moi, je ne suis pas là de tout le mois d'août. De toute façon, il faut que j'ai 5 semaines que je ne suis pas là. Puis il y a quand même quelques de mes collègues qui font ça aussi. Que... Mais non, ça roule. Là, j'ai beaucoup de tableaux encore personnalisés. Oui. Pour les, surtout pour les ministères du Québec. Puis, mais non, ça marche bien. Je pense que. C'est un peu comme on a vu dans la collègue, il y avait un enthousiaste qui est revenu un petit peu. C'est sûr qu'ici aussi, pour le programme Centre de recherche, là, on dit que tous les projets déjà avec les amis. C'est un peu précédent. Ouais. Une procédure pour accélérer, pour ajouter. Ah, pour renouveler, si on veut. Pour ajouter les données. Tu vas faire toute la procédure. Ben, tu fais une demande, mais elle ne sera pas envoyée par l'évaluation. Normalement, c'est le cas quand on veut ajouter aussi. Ok, c'est bon. C'est ça. Non. Je suis désolé, je ne peux pas rester, mais c'était très intéressant. Ben, merci. Merci de votre attention. Merci. Pas de café? Oh, je vais en prendre un petit, ouais. Tu sais, Samuel? Est-ce que ça dit? C'est qui était en train de sortir en ligne? Ouais, c'est vrai que je vais te demander ça. 12. Présentement, il y en a 12, mais je ne sais pas, il y en a combien. Thank you.
La variable de poids, là. Oui. Comme quand vous disiez, mettons que tout le monde répondait une personne égale, ce serait un poids de 1 parce qu'une personne égale elle-même seulement. Fait que plus il y a de non-réponses, plus le poids. Ben, en fait, le poids, si tout le monde répondait, ça serait 4, là, parce qu'on échantillonnait 1 sur 4. Oui, donc, c'est 4. Tout le monde, si c'était parfait, ça serait 4 partout. Là. OK. Mais encore là, dans le FMGD, où il y a juste une variable de poids pour tout le monde, pour tous les niveaux, est calculée en fonction de quelles caractéristiques? Juste le FMGD, ça, c'est le fichier de. Parce que public. Moi, je suis habitué à l'acronyme en anglais. Oui, c'est ça. Dans le POM, il n'y a pas de bootstrap, ou de, il y a une variable, une colonne. Oui, mais le poids va être calculé, parce qu'ils prennent le fichier là, de tous ceux échantillonnés, là, mettons qu'il y en avait, je sais pas, 10 millions, ouais. Non, un petit peu moins. Mettons 8 millions, ben, ils vont faire un sous-échantillon de ces 8 millions-là, 3%, puis là, ils vont recalculer les poids pour que ça puisse, la somme des poids va donner la population cible canadienne de 35 millions de personnes. OK. Mais le fait que, mettons, moi, j'ai un poids de, je sais pas, peut-être 10. Ouais. Puis que vous, vous ayez un poids de 15. Ouais. C'est en fonction de quelles caractéristiques? Ah, ils vont, ben, en fait, c'est quand on a juste les poids de même, là, c'est les totaux, qui là, sont connus, là. Okay. Les totaux, c'est les 8 millions qui ont répondu au questionnaire détaillé. Là. J'ai homme, femme par groupe d'âge, immigrant, non-immigrant, lieu de naissance, éducation. Okay. Donc, les poids sont ajustés par rapport à ça. Donc, si moi j'ai un poids de 15, toi tu as 10, c'est parce que du monde comme moi, il y en a des moins hommes, dans le fichier. Mettons, des hommes comme moins moi, répondu, ouais, ou... il y en aurait moins. C'est en fonction de toutes les caractéristiques du fichier court. Pour le POM, juste... ben c'est au moins le court, c'est certain. Okay. Mais pour le long, ça doit être selon, c'est selon les caractéristiques du long aussi. Ah, OK. OK. Je ne savais pas si c'était juste certaines variables qui étaient genre. Ben, sexe, peut-être pas géographie. Toutes les variables. Là. Il faut que tu choisisses parce qu'à un moment donné, ça devient contrôlable. Oui, j'imagine. Parce qu'il faut que tu lèves la géographie aussi, mais c'est des caractéristiques de base. OK. Je me fais souvent poser la question pour des étudiants, là, leur pondération, c'est... Mais le plus facile dans ce temps-là, là, c'est qu'ils ont juste à faire la somme des poids. Tu sais, le fichier, mettons, je ne sais pas, mais 200 000 observations, mais faites la somme des 200 000. C'est quoi le total? C'est 35 millions, OK. Ça va revenir à la population. Ça va revenir à la population. OK, ouais. On le fait des fois, là, je lui dis, ah, fais-donc moi la somme des poids, là, j'ai combien de... Ça me donne une idée. Là. C'est vrai, j'avais jamais pensé leur dire ça. La somme des poids des hommes et des femmes. La somme des poids. Là. OK, OK. Puis ils peuvent comparer avec ce qui est déjà diffusé, ils vont savoir. Super, merci. Thank you.
Les questions qui sont relatives aux revenus. Est-ce que les déclarations comme genre les contributions mettons des dons de charité là? Je sais pas. Ça doit être là parce que si on veut calculer le revenu, l'impôt payé puis le revenu net, là, tu as besoin de ça. Ouais. Mais je ne sais pas, je ne peux pas te confirmer. J'essaie d'avoir une réponse par l'école. Tu as déjà posé la question à quelqu'un? Non, du tout, mais okay. C'est sûr que je ne pense pas que dans l'enquête des ménages, je m'en avais contribué à. Tu faisais en 2011, là? Ou en 2016. Non, mais si c'était sur les données d'impôt. Est-ce qu'il y a une enquête sociale sur le droit? Oui. Là, elle existe, elle est récurrente à toutes les trois ans. Mais via l'enquête des ménages, je la trouve beaucoup plus exacte, beaucoup plus volumineuse. Ben oui, il y a plus de monde. C'est sûr. Plus de données où est-ce qu'on peut faire de l'inférence par la suite. Je me demandais dans les questions par rapport aux revenus si on pouvait aller chercher cette information-là. À chaque année, on fait une diffusion juste là-dessus, les dons de charité déclarés dans les revenus d'impôt, les données d'impôt. OK, mais est-ce que c'est, il y a l'appareillement de fait avec une enquête des ménages? Non, mais est-ce que si on fait une diffusion là-dessus, c'est parce qu'on l'a dans nos fichiers d'impôt. Puis si on l'a dans les fichiers d'impôt, on l'aurait probablement sur le recensement. Mais Samuel, il demande, là, dans les données de revenus qui sont disponibles dans le fichier, est-ce qu'il y a une variable, dons de charité? Oui, ben, il l'a dans le T1FR, dans le FFT1. Il l'a dans. OK. Parce que avec les autres données du recensement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est comme il dit, en principe, il faut se dire que toutes les lignes de l'impôt, en théorie, sont là. C'est juste qu'il y en a qu'on n'a pas mis sur la base de diffusion. On n'a pas codé. On pourrait le faire, mais il y en a qu'on n'a pas mis l'effort de faire. Okay. Sur celui-là en particulier, il faudrait voir dans la diapo qu'il y avait les. Je ne sais pas si on a codé la ligne du. Sinon, c'est juste ça prend un effort supplémentaire. Mais pour les dons de charité, on a l'autre programme qui s'appelle le fichier des familles T1, qui est un truc qu'on publie annuellement. Puis ça, on les publie. C'est juste qu'il n'y a pas toutes les variables sur le sentiment. Non, mais moi, je vais vraiment avoir le niveau d'éducation, avoir est-ce qu'il y a une université, de quelle région. Donc, nous sommes de retour pour. La fin de la présentation de Laurent et qui va nous parler d'un projet qui s'annonce extrêmement intéressant et stimulant, le projet de recensement longitudinal. Merci. Donc, j'espère que ce qui était avant était intéressant. Si vous avez des questions, on est disponible après. Je voulais juste partager, un projet de recherche qui a été initié environ un an et pour lequel on essaie de mettre des données dans les centres de données de recherche sur un moyen terme. Là. Appelez-moi pas la semaine prochaine pour me dire est-ce que ça va être disponible à mi-juillet. Là. Donc, on appelle ça le projet du recensement longitudinal. Donc, lors des deux derniers recensements, 2006 et 2011, les données des répondants ont été appariées au recensement précédent pour fin d'évaluation de la qualité des données. Donc, si j'avais répondu en 2011, on était, dans certains cas, capable de me retrouver sur la base de 2006 et on a apparié les données. Quand on a fait ça en 2006, donc un appariement 2006 versus 2001, c'était pour étudier les effets du mode de réponse Internet en 2006. Donc, c'était la première fois qu'on utilisait Internet à grand volume en 2006. On voulait voir l'effet de ça. Quand on a parié 2011 avec 2006, c'était pour étudier le biais de non-réponse de l'ENM. Donc, allez voir les caractéristiques de 2006 de ceux qui ont répondu versus ceux qui n'ont pas répondu. On a fait au printemps 2017 l'appariement des données de 2016 avec 2011. Pour aider à évaluer la qualité de 2016, pour comprendre le comportement des répondants pour certaines questions.
Donc, suite à tous ces appariements-là, il a été possible de créer ce qu'on appelle un fichier de recensement longitudinal où toutes les personnes qui ont été appariées de 2001 à 2006 sont mises sur la base de données. Donc, j'ai un fichier longitudinal où à chaque fois, j'ai fait un appariement entre 1 à 6, 6 à 11, 11 à 16, la personne est là. Donc, pourquoi on voulait faire ça? C'était quoi nos objectifs du projet? Donc, on voulait étudier la qualité des données et les comportements des répondants pour des cycles de recensement successifs, entre autres pour certaines questions jugées stables. Le lieu de naissance que je vais répondre au recensement 2016 devrait toujours être le même. Je ne change pas de lieu de naissance. Les données sur l'immigration non plus. Les données sur l'éducation, ben, on augmente. Hein. Je ne perds pas de diplôme. Je ne devrais pas perdre de diplôme. Donc, c'est des choses qu'on étudie par rapport à la qualité, le comportement des répondants. Puis, on voulait idéalement être capable de mener des analyses longitudinales à partir des 4 recensements. Par exemple, une analyse qui pourrait être potentielle, c'est je vais regarder les gens en 2001 qui étaient au Canada en 2001 et qui ont été énumérés sur un formulaire long, les 4 recensements que j'ai appariés, puis voir dans le temps c'est quoi les changements par rapport au travail, par rapport à l'éducation ou à la mobilité. Donc, examiner la transition des jeunes entre l'école et les premières années sur le marché du travail. Donc, je prendrais ceux qui avaient 15 à 25 ans en 2001. Là, en ce moment, ils ont 30 et 40, entre 30 et 40, puis voir c'est quoi le cours des choses. Donc, c'est comme avoir une enquête longitudinale, mais basée seulement sur les appariements du recensement. C'est un des objectifs qu'on avait en tête, qu'on essaie de développer. Comment on apparie les gens entre les cycles du recensement? C'est en utilisant les noms, les prénoms, date de naissance, adresse, numéro de téléphone. Donc, c'est les techniques habituelles. Et lorsqu'on appariait avec entre les recensements, c'est une méthode conservatrice, là. Quand on n'est pas certain d'un appariement, parce qu'il y a des différences importantes entre nom et date de naissance, on exclut ça. Donc, on demeure conservateur dans notre approche. Qu'est-ce que ça m'a donné de faire tous ces appariements-là et de mettre ça dans une base de données? Le graphique, le tableau ici montre le nombre de personnes appariées en deux recensements consécutifs depuis 2001 à 2016. Donc, de 2001 à 2006, j'ai apparié 20 millions de personnes. Sur une possibilité de combien, mais je vais vous en parler plus tard, la prochaine acétate. Parce que là, vous pouvez dire, ouais, mais 20 millions, mais il y en avait bien plus que ça, là. Ceux que tu n'as pas apparié, c'est qui, c'est quoi, pourquoi? De 2006 à 2011, j'en ai apparié 24 millions, puis de 2011 à 2016, 26 millions. À partir de 2006, nos méthodes d'appariement se sont améliorées. C'était plus facile d'utiliser les noms et les prénoms. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'en ai un peu plus. J'ai donc, à la base, à la fin, ou sur ma base, 15 millions de personnes sont liées et énumérées dans les recensements 2001, 6, 11 et 16, que ce soit sur formulaire détaillé ou abrégé. Donc, j'ai 15 millions de personnes où ce que je peux avoir l'état matrimonial en 2001, 6, 11 et 16, ou la connaissance des langues ou des trucs comme ça qui étaient disponibles au minimum sur un formulaire abrégé. Là, vous me dites, ouais, mais il y en a que tu n'as pas apparié. Y a-tu un biais là-dedans dans tes non-appariements? Peut-être que c'est biaisé. C'est quoi tes taux d'appariement? Je ne vais pas donner tous vos résultats, mais le tableau ici montre les taux d'appariement en deux recensements consécutifs. Et comment on les a calculés? Bon, mais c'est le nombre de personnes qui sont apparues. L'acétate est en gauche, en bas est en anglais. Là, c'est link, c'est les personnes liées. Puis ma population cible. Eligible population, c'est le nombre de personnes que j'aurais pu apparier. Et quelles sont les personnes que je pouvais apparier ou que je ne pouvais pas apparier? Ben, c'est ceux qui n'ont pas répondu. Si ils n'ont pas répondu, je ne peux pas vous apparier. Si un ménage n'a pas répondu puis qu'on a imputé ou fait un ajustement, ben, je ne peux pas les apparier. Je n'ai pas les noms, date de naissance. Les immigrants récents. Donc, si en 2006, vous avez immigré en 2002, ben, je ne peux pas vous apparier avec 2001, vous n'étiez pas là. Les enfants qui ont moins de 5 ans, je ne pouvais pas les apparier 5 ans auparavant, ils n'étaient pas là non plus. Ceux qui vivaient en dehors du Canada,
cinq ans auparavant, ne pouvaient pas être appariés non plus. Puis, on n'a pas essayé d'apparier les personnes dans les logements collectifs parce qu'il manque trop d'informations sur les noms, dates de naissance et les prénoms. Donc, mes taux d'appariement 2006 à 2001, c'est à peu près 74 % 86 % de 11 à 6 et 16 à 11, j'ai 86,9 %. Donc, c'est quand même des taux assez élevés d'appariement. On a étudié les caractéristiques des gens qui n'étaient pas appariés versus appariés. Puis, il y a des différences, mais pas très majeures. Des différences qu'on pourrait s'attendre. Par exemple, si je faisais une enquête et j'avais de la non-réponse, il peut y avoir des différences entre les répondants et non-répondants. Dans une enquête, quand j'ai de la non-réponse, on ajuste les poids. Puis, l'ajustement des poids va faire en sorte que les différences que je pouvais observer vont être minimisées ou diminuées. En autant que j'ai l'information sur mes non-répondants. Dans ce cas-ci, j'ai beaucoup d'informations sur les noms liés parce qu'ils ont répondu au questionnaire du recensement. Le tableau ici montre le nombre de personnes que j'ai liées, mais qui ont été énumérées sur le questionnaire détaillé pour les différents cycles de recensement. Donc, il y a beaucoup de chiffres ici. Je vais focusser sur ce qui est dans le bas. J'ai 83 000 personnes qu'on a appariées, qui ont été énumérées sur un questionnaire détaillé en 2001, 6, 11 et 16. Donc, c'est beaucoup de monde pour qui j'ai l'éducation, le travail et d'autres données du questionnaire détaillé pour les quatre derniers cycles du recensement. OK? J'en ai 309 000, qu'eux autres, c'est sur trois énumérés sur un questionnaire détaillé, mais pour les trois derniers recensements. Donc, j'ai comme 10 ans de données, 3 points dans le temps à partir du questionnaire détaillé et 1,4 million sur les deux dernières années, deux derniers cycles du recensement. Ce qui est plus dans le haut, comme je vous disais, la méthode de collecte du recensement, il y a une méthode où j'ai un échantillon, puis dans le nord, les réserves indiennes, les territoires, c'est par entrevue 100 % de la population. Donc, si j'ai 100 % j'ai plus de chances de vous apparier parce que je n'ai pas d'échantillonnage. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu plus de gens énumérés dans les régions par entrevue. Donc, ça, c'est ce qu'on a sur notre base. Ce qu'on aimerait, faire, ou ce qu'on vise à faire, ou ce qu'on travaille à faire, c'est... Idéalement, ce serait de prendre ce qu'on appelle un panel, le panel de 83 000 personnes, puis calculer des poids longitudinaux pour que ces personnes-là puissent représenter la population cible à l'étude. La population cible, c'est ceux qui étaient ici en 2001, 6, 11 et 16. Donc, c'est un petit peu plus difficile à faire que dans une enquête ordinaire parce que je n'ai pas nécessairement d'informations, c'est qui a quitté, qui sont décédés, que je ne pouvais pas apparier, des trucs comme ça. Donc, on est en discussion pour savoir c'est quoi les possibilités, comment ça pourrait être fait. On regarde aussi à essayer de mettre le fichier ou un de ces fichiers-là dans les centres de données de recherche. L'appariement 2011 et 16, en bas à droite, le 1,4 million, c'est notre première cible. On commence à travailler là-dessus. Donc, je ne vais pas vous dire quand est-ce que ça va être disponible, je ne le sais pas. Il y a plusieurs étapes pour se rendre là. Et pour le 1,4 million, il y a présentement il y a des poids qui ont été calculés pour ces deux années-là. Pour le... Là, c'est enregistré, je ne réponds pas. Je le dirai après. c'est un projet de recherche. Donc, il y a plusieurs choses qui restent à faire. Ça prend souvent des ressources, c'est-à-dire du monde ou du budget. Parce que ça ne fait pas partie des activités régulières, si on veut. Donc, on travaille à ça. C'est comme... je pense que ça progresse bien. Donc, je n'ai pas de date, mais on regardait là, dans les prochains mois si on pouvait faire un premier jet. Le plus compliqué, c'est d'avoir des poids longitudinaux pour les quatre années ou les trois derniers recensements. Le 309 000 en bas ou le 83 000.
Donc, ce qu'on fait dans les prochaines étapes, bien, nous autres, on continue l'analyse de la qualité des données, on regarde la mobilité des réponses, et la possibilité de calculer des poids longitudinaux et de permettre l'accessibilité aux fichiers dans les centres de données de recherche. Excusez, une erreur de frappe ici. Là. Donc, c'est un des projets sur lesquels on a travaillé dans les derniers mois qu'on aimerait partager le plus possible pour que ça soit le plus utilisé par différents utilisateurs. Ça termine pour moi. Pour certains nouveaux projets de développement d'ensemble de données, souvent soit combinant des données d'enquête, des données administratives, disons, un des... le nerf de la guerre, ce sont les ressources pour les développer. Puis pour certains de ces projets-là, il y a eu un partenariat entre Statistique Canada puis des chercheurs dans différentes universités ou centres de données de recherche qui, finalement, contribuent, entre autres, à évaluer la qualité des données ou des choses comme ça, dans le cadre de projets pilotes pour, finalement, accélérer la disponibilité ou la mise à disposition de ces données-là pour l'ensemble de la communauté. Donc, est-ce que ça pourrait être envisageable? Oui, aussi? Oui. En fait, ce qu'on aimerait, c'est accélérer ça. Même si on n'avait pas des poids longitudinaux, on aimerait peut-être que le fichier soit dans les centres de données de recherche. Ça limite les analyses, c'est plus du qualitatif, mais ça peut être pertinent quand même. Et là, les gens peuvent nous aider à déterminer les meilleures stratégies pour... Beau projet. Ben, merci. Des questions, commentaires? Oui, Samuel. Monsieur ici m'avait posé la question à savoir si on avait les dons de charité qui sont disponibles dans le. Parce qu'il y a eu la part image avec l'impôt. Malheureusement, ça n'a pas été codé. Là, j'ai vérifié. Ça n'a pas été codé parce que ça ne tombe pas dans les revenus ou dans les cotisations. Puis c'est les deux seules catégories qu'on a codées. Par contre, c'est ça, à l'interne, ça pourrait être fait dans le futur, ça pourrait être un projet qui est fait à l'interne. Un projet sur lequel j'ai travaillé, qu'on a ajouté les variables dans le fichier de microdonnées, c'est deux lignes d'impôt pour un crédit d'impôt aux aidants naturels. Donc, c'est la ligne 306 et la ligne 315 du rapport d'impôt fédéral. Ça s'appelait avant le montant pour aidants naturels. Justement, on avait codé, on avait fait l'appariement pour ces lignes-là pour essayer de faire une étude, pour voir justement s'il y avait des caractéristiques particulières à cette population-là. Donc, une fois que l'appariement est fait, le gros du travail est fait, l'étape supplémentaire, c'est de coder sur la base de diffusion les lignes qu'on veut avoir. Donc, le recensement n'a pas besoin de toutes les lignes d'impôt, mais le potentiel est là si on voulait faire d'autres projets de recherche. En regardant un rapport d'impôt, bien, on pourrait dire, OK, cette ligne-là, on pourrait faire quelque chose avec. Ce serait juste de rajouter une étape supplémentaire par la suite. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions aussi de nos participants à distance, il nous reste à remercier Laurent et Samuel. Puis, je souligne la contribution de Samuel là, à toute cette initiative d'atelier sur l'utilisation des données de 2016. Donc, un grand merci. Merci de votre attention. On va passer à une autre présentation qui devrait susciter beaucoup d'intérêt auprès des utilisateurs des données de recensement, des futurs utilisateurs des données du recensement de 2016, sur les règles de confidentialité ou les règles de divulgation des résultats. Donc, c'est une présentation qui a été préparée conjointement par Jean-Michel Billette et Frédéric Brousseau de Statistique Canada. Frédéric est l'analyste en poste dans le laboratoire UQAM-INRS du CIQSS. Donc, c'est comme ça que ça marche. La loi. C'est bon. Donc, je vais discuter aujourd'hui des nouvelles règles de contrôle de confidentialité pour le recensement de la population d'enquête nationale auprès des ménages. Je vais tout de suite mettre un avertissement.
On est en train de discuter avec Statistique Canada de plusieurs, en fait, de 4 des 5 règles. Il y a une règle qu'ils ont acceptée, mais on est toujours en discussion sur les, sur 4 des 5 règles. Si vous n'avez jamais utilisé. Si vous n'avez jamais utilisé le recensement, mais ça va être déjà. Je vais vous montrer quelles sont les règles en ce moment du recensement. Puis je vais vous parler aussi des nouvelles règles qu'on voudrait qu'ils soient implantées pour, dans le futur, dans un futur très proche. Donc, je vais commencer par la loi. Qu'est-ce que la loi de la statistique dit? Donc, à l'article 17, alinéa 1B, aucune personne assermentée en vertu de l'article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler par quelque moyen que ce soit des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu'il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher un particulier à une entreprise ou à une organisation identifiable les renseignements ainsi obtenus qui les concernent exclusivement. Donc, toutes les règles qui s'appliquent, les règles de divulgation qui s'appliquent pour l'ensemble des enquêtes de Statistique Canada et des recensements, donc, sont basées sur la loi de la statistique. Donc, il y a quand même une certaine marge de manœuvre qui est permise dans la façon d'interpréter la loi sur la statistique. Si je peux faire une analogie, si on voudrait réduire le risque d'accident sur les routes, le nombre de morts sur les routes, ben, à zéro, ben, il faudrait juste interdire la voiture. Donc, on ne veut pas faire ça. Donc, si on interprète la loi littéralement, on voudrait qu'il n'y ait aucun risque, donc il faudrait interdire l'utilisation des données. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même, on permet un certain risque très minime. On veut vraiment le minimiser au maximum. Par contre, avant, il y avait la notion d'aversion au risque. Donc, on voulait vraiment réduire le risque bon, très près de 100%. Donc, une nouvelle approche à Statistique Canada qui est la notion de gestion de risque qui a remplacé celle de l'aversion au risque. Donc, cette approche est davantage centrée sur l'utilisateur des données. Donc, permettre quand même aux utilisateurs de pouvoir sortir des résultats. Par contre, il y a certaines lignes directrices en matière de contrôle de confidentialité qui doivent être appliquées pour vraiment quand même que le risque soit réduit près de 100%. Donc, les différents irritants qui ont été identifiés par les utilisateurs de données sensitaires. Donc, on inclut l'ENM aussi. Donc, les règles relatives au calcul des proportions. Le deuxième, le test d'homogénéité de dominance avec les données monétaires. L'impossibilité de sortir des fréquences non pondérées. Les seuils géographiques pour la diffusion de résultats ne sont pas les mêmes pour le recensement et l'ENM. Puis, les deux options sont disponibles pour traiter les petits effectifs à l'ENM, alors qu'une seule est permise pour le recensement. Donc, je vais couvrir chacun des points. Donc, le premier point est le point qui a été modifié dernièrement, donc qui a été accepté par Statistique Canada. Donc, les 4 autres points sont encore en discussion. Donc, c'est une négation tripartite. Donc, à Statistique Canada, il y a les méthodologistes qui ont beaucoup à dire sur la modification des données. Donc, l'accès aux microdonnées, donc c'est nous, donc ceux qui travaillent pour vous offrir les données dans les centres de recherche. Puis, il y a les gens aussi du recensement qui ont à dire leurs mots pour pouvoir trouver une entente. Donc, c'est un processus d'approbation à plusieurs niveaux. Donc, les équipes de projet du recensement, comité directeur du recensement, statisticienne en chef adjoint, les statisticiens en chef qui doit approuver la décision de changer les règles du recensement. Donc, premier irritant, calcul des proportions. Donc, pour sortir des proportions, donc les proportions devraient être calculées à partir d'un numérateur et d'un dénominateur à la fois pondérés et arrondis au multiple de 5, le plus proche, ce qui obligeait les chercheurs à générer les fréquences pondérées correspondant à ces valeurs et copier le tout dans Excel pour arrondir à la base 5 ou sinon programmer dans le logiciel un algorithme qui pouvait devenir compliqué. Les gens, habituellement, ils copient ça dans Excel, arrondissent, puis ensuite calculent leurs proportions. Donc, par exemple, un numérateur pondéré à 8196,23, dominateur 45 838,39. Donc, la proportion diffusée, une fois arrondie, le numérateur et le dominateur, c'est 17,9. Donc, ça, c'est la règle actuelle. Non, la,
cette règle-là a été modifiée, donc c'était l'ancienne règle. Donc, il fallait le faire pour l'ensemble des résultats, l'ensemble des proportions qu'on voulait sortir à l'extérieur des centres de recherche. Donc, la nouvelle règle, donc, avant, on tout dépendant, là, c'est, la règle était indépendante de la taille de l'échantillon. Donc, maintenant, la nouvelle approche, c'est plus l'échantillon est grand, plus le risque est faible d'identifier quelqu'un. Donc, la règle s'assouplit, plus l'échantillon est grand. Donc, pour un échantillon, pour un dénominateur non pondéré, donc votre sous-échantillon, s'il est plus grand que 5000 observations, il n'y a pas d'arrondissement qui est exigé. Et on va... Par contre, une nouvelle règle, c'est qu'on va, on va vous permettre uniquement de sortir une seule décimale sur l'arrondissement, sur la proportion. Donc, ben, une seule décimale, donc soit 0,538 ou 53,8%. Si la taille est entre 500 et 5000, il n'y a pas d'arrondissement non plus. Par contre, on va vous... l'arrondissement va être sur deux décimales, donc à 44%. Puis, troisième, si votre dénominateur non pondé est inférieur à 500, donc là, on va demander une pondération, pas une pondération, un arrondissement à 5 et deux décimales. Donc, pour la plupart des chercheurs, en tout cas, pour les chercheurs de l'UQAM INRS, beaucoup de chercheurs qui travaillent au niveau des provinciales, donc souvent, ils travaillent avec des sous-populations qui sont supérieures à 5000. Donc, pour eux autres, c'est intéressant. Pour ceux qui travaillent au niveau géographique, des géographies fines, donc, c'est possible d'avoir des dénominateurs inférieurs à 500 dans ce cas-ci. Donc, là, cette règle-là du... va être peut-être un petit peu plus sévère pour eux dans ce cas-ci, moins sévère pour d'autres. Donc. Parce qu'avant, on pouvait sortir le nombre de... Il n'y avait pas de règle sur le nombre de décimales. Donc, ça va pour la première règle. Donc, maintenant, la deuxième règle. Le deuxième héritant, c'était les tests de dominance et d'homogénéité pour les revenus en continu. Quand on est revenu d'une sous-population, on veut faire deux tests. On veut savoir s'il n'y a pas, on avait discuté plus tôt, s'il y a un seul individu qui tire le revenu vers le haut. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui domine la distribution et qu'on pourrait estimer son revenu en sachant un peu le revenu moyen des gens, de la population dans le secteur. Donc, ça, c'est le test d'avidance. Puis, le test d'homogénéité qu'on demande aux chercheurs d'appliquer aussi avant de pouvoir sortir des résultats sur les revenus. Si on veut savoir si la distribution des revenus est quand même assez étendue ou pas, que, disons que si les gens ont tous le même revenu, bien qu'on puisse comme ça nous permettrait de savoir le revenu des gens s'ils avaient à peu près tous le même revenu. Donc, c'est deux tests qu'on demande. Donc, ici, c'est. Donc, les nombres ici sont confidentiels. Donc, si vous utilisez le recensement, vous avez le droit de savoir les nombres qui sont utilisés pour faire ces deux tests. Donc, ce qui est proposé, donc, ces deux tests-là, à chaque fois que vous voulez sortir des résultats de revenus, on doit les faire. Il y a des algorithmes qui ont été programmés en SAS, Data, je pense aussi en SPSS, pour pouvoir les faire. Par contre, ça peut être long, puis c'est pas très agréable à faire à chaque fois. Puis souvent, les gens ont des grosses populations, des gros sous-échantillons, puis ces tests-là, ils passent toujours. Dans mon expérience personnelle, j'ai vu un seul cas où ça n'a pas passé. Donc, il faut vraiment travailler avec des petites populations pour que ce test-là peut avoir des effets. Donc, ce qui est proposé, ne pas effectuer les tests au-delà d'un certain seuil. Effectif non pondéré de 500 valeurs non nulles. Aussi, l'étendue de l'attribution de l'échantillon ne peut être égale à zéro. Donc, par exemple, donc j'ai une première ligne, j'ai un effectif de 897 non pondérés. Par contre, j'ai une valeur non nulle
de 474. Donc, ici, on est en bas de 500. Donc, on doit faire les deux tests, test de dominance et test d'homogénéité. J'ai un autre exemple ici. Donc, si on est en bas de 500 pour les deux, on doit faire les deux tests. Ici, dans le troisième cas, donc je suis en haut de 500, les deux tests n'ont pas à être faits. Et donc, puis le dernier cas, un cas assez spécial, donc je suis en haut de 500, mais mon étendue, donc entre le plus élevé et le plus faible des revenus, il n'y a pas de différence. Donc, on n'a pas besoin de faire le test de dominance à cause qu'on est en haut de 500, mais le test d'homogénéité, il va échouer parce que tout le monde est pareil. Donc, dans ce cas-là, donc, ce qui est proposé aussi, c'est limiter l'application des tests d'homogénéité dominance aux statistiques descriptives aux modèles saturés seulement, n'ayant qu'une seule variable indépendante. Donc, les modèles qui ont, par exemple, un modèle logistique avec une seule variable indépendante est équivalent à un tableau croisé. Donc, on doit faire les tests d'homogénéité dans ce cas-ci. Par contre, avant, on demandait qu'il soit fait aussi pour la modélisation, si vous utilisez une variable de revenu dans vos modèles, de calculer aussi les tests. Puis non plus, on demande que ces tests-là ne soient plus faits pour les mesures d'inégalité comme le Gini, le Thiel ou le test d'Hoover. N'appliquez les tests qu'au premier et dernier quantile de la distribution. Si le premier quantile contient plus de 50% de zéro, exclue le test sur les valeurs non nulles exclusivement. Donc, par exemple, ici, on a des déciles. C'est sur le premier quintile et le dernier quintile. Si on a des déciles, donc c'est sur les deux premiers déciles, les deux derniers déciles. Donc ici, c'est une règle supplémentaire qui se rajoute donc aux 500. Donc on est en haut de 500 ici. Par contre, on est sur le premier décile. Donc il faut faire le test de dominance. C'est vrai. OK, donc il faut effectuer les tests sur les valeurs non nulles. Donc, sur les. Ici, dans une distribution de revenus, donc le premier décile, tout le monde a zéro. Il y a quelques zéros aussi dans le deuxième décile, puis il y a des valeurs non nulles. Donc, on fait le test sur les valeurs non nulles sur le deuxième décile. Donc, puis on a les deux derniers déciles qu'on doit faire le test aussi. Par contre, encore là, dans la grande majorité des cas, on est toujours en haut de 500. Donc, ça permet de sauver pour beaucoup de cas, des tests d'homogénéité et de dominance ne sont pas à faire, ne seraient pas à faire. Okay. Troisième irritant, les fréquences non pondérées. Présentement, c'est impossible de sortir du non pondéré dans... du recensement. On peut obtenir le nombre d'observations utilisées dans le cadre des modèles si on fait la demande et qu'elle est approuvée et l'arrondissement est obligatoire à base 5. Donc, ce qui est proposé, à l'exception des tailles d'échantillons du N des modèles statistiques, l'attribution de fréquence non pondérée ne sera faite que si la proposition de recherche fait état de la nécessité de procéder sans poids. Donc, il y a certains chercheurs la raison, je ne sais pas, mais ils veulent travailler avec du non pondéré. Donc, on voit ce que fait. Il y a plus de résistance sur ce point-là de la part de Statistique Canada. Donc, ça, c'est encore à évaluer, est-ce que ça va se faire ou non. Donc pour pouvoir sortir ce qui est proposé, si on veut sortir des fréquences non pondérées, un minimum de 30 observations par cellule. C'est la demande, ça fait aux exigences des deux critères précédents, des tableaux d'un maximum de 10 cellules peuvent être sortis. Donc, on ne peut pas sortir des très grands tableaux croisés, donc un maximum de 10 cellules. Donc, ça peut être un 2 par 2, 2 par 3, même un tableau en trois dimensions, 2 par 2 par 2. On arrive à
8 cellules ou à 2 par 5, etc. Les fréquences sont arrondies à la base 10. La population de la région considérée doit être supérieure à 50 000. La supposition utilisée correspond au moins à 10 000 cas, 20 % de la taille minimum de la population. Donc, on ne veut pas, que le sujet d'étude soit des petites populations. Je ne sais pas le nombre de... Je ne sais pas quel exemple, là, des travailleurs maritimes ou en Saskatchewan. Donc, on s'imagine qu'il y en a très peu. Donc, ça pourrait être... donc, on veut qu'il y ait au moins 20 % de la taille minimale. La population, donc 10 000 cas si la population est de 50 000 personnes. Donc, c'est un exemple, femme membre de la population active dans la RMR de Moncton. Je vais passer ce tableau-là. Il y avait une belle. J'imagine que ce n'est pas les vrais chiffres. Non. non, il y avait une feuille précédente que j'ai enlevée, que je vais juste passer ça. Si les demandes satisfont aux exigences de critères 1 et 2 des tableaux univariés, de moins de 1000 cellules seront diffusées seulement si. Donc, là, on parlait de tableaux, des tableaux croisés à deux variables. Si on veut sortir un tableau croisé à une seule variable, par exemple, un pourcentage de femmes, par exemple, par région géographique, donc on a un seul. Je suppose dans ce cas-ci, il faudrait réfléchir, mais donc un tableau avec une seule colonne. Donc, les fréquences de femmes, par exemple, par région géographique, donc ça pourrait être une seule dimension. Donc, ici, la règle, donc 1000 cellules, donc plusieurs régions. Donc, sont diffusées seulement si les fréquences non pondérées sont arrondies à la base 10. La population de la région est considérée d'au moins 5000. Et la sous-population étudiée correspond au moins à 1000 cas, 20 % de la taille minimale de la population. Donc, un peu comme les tableaux croisés, mais un petit peu moins restrictifs. Si la taille de la population de la région est considérée moins de 5000, seules les tailles des échantillons sociaux ou N des modèles analytiques seront diffusées. Pas de croisement de variables ou de niveau de détail en deçà de ce seuil. Donc, on revient à la règle originale. Si on a moins de 5000 de la population. Donc, je répète encore, ce n'est pas les règles encore actuelles. La règle actuelle, c'est que c'est juste, on peut juste sortir du non-pondéré pour les N des modèles ou la taille de l'échantillon. Donc, quatrième irritant, les seuils de la population requis pour la géographie détaillée. Selon les règles de l'ANM, la population de toute région considérée doit se chiffrer à un minimum de 5000 personnes. Et les règles de recensement, la population de toute région considérée doit se chiffrer à un minimum de 40 personnes. Exception notable, valeur monétaire, donc 250, donc nous avons au moins une population de 250 dans la région. Variable liée au travail, population active plutôt que la population totale, coupe de même cep en 2001, exceptionnellement c'est 5000. Donc c'est la règle actuelle, donc 5000 pour le NM, 40 pour les recensements, 250 si c'est des variables de revenus. Ce qui est proposé, pour les régions géographiques personnalisées, la règle de l'ANM sera maintenue, à moins que chacun des composantes de la région soit elle-même diffusable. La règle du recensement pour les régions géographiques normalisées s'applique également à l'ANM. Donc, si on prend des aires d'étudiants, par exemple, et on reconstruit une région géographique à partir des aires d'étudiant, la règle, on utilise la règle de l'ANM, qui est 5000. Donc, donc, il doit avoir au moins une population de 5000 avec notre géographie constituée, par exemple, de géographies plus faibles. Donc, ça, c'est... On garde la règle de 5000. Par contre, si chacune des composantes donc satisfait, disons que chacun des indécisions qui est utilisé pour reconstruire notre géographie un petit peu plus grande, donc au moins 40 de population,
Donc, là, on n'utiliserait plus la règle de l'ENM de 5000. On pourrait utiliser la région géographique reconstruite avec. Donc, la restriction appliquée aux couples de même sexe sur le recensement numéro 1 serait levée. Question de qualité plutôt de confidentialité. La division des opérations de recensement fournit une liste des estimations diffusables par type géographique et la division de sexe pour les microdonnées. Pas sûr certain de ce que ça veut dire, mais. Je pense que donc il y aurait la liste des secteurs de recensement ou des. Bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Parce que je ne suis pas certain ce que mon collègue voulait dire. Okay. Donc je. Finir par le dernier item. Donc, façon de traiter les petits effectifs avec le recensement et l'ENM. Option du recensement, regrouper jusqu'à ce que chacune des cellules du tableau contienne suffisamment de cas pour que le tableau soit diffusable. L'option. Et l'ENM donne une deuxième option, regrouper comme ci-dessus. Donc, regrouper, disons, si on a une petite fréquence dans notre tableau croisé, on peut regrouper. Sont deux colonnes ou deux lignes pour augmenter notre niveau de fréquence, que le seuil soit dépassé, le seuil minimal. Dans le cas du recensement, c'est 4. Donc, au moins, notre cellule contient au moins 4 observations. Dans le ENM, on a aussi le choix d'arrondir à 0. Si on a moins de 4 observations, on peut arrondir à 0. Donc, dans le cas du recensement, on ne peut pas faire ça. Dans le cas de l'ENM, on peut faire ça. Donc, on aimerait que ce soit possible dans tout, également pour les recensements. Que les deux options soient aussi disponibles pour le recensement. Donc, il y a un exemple ici. Donc, à la variable numéro 1, à la colonne C, donc j'ai juste deux observations. Donc, si je veux sortir ce tableau, ce n'est pas possible à cause qu'il y a uniquement deux observations. Qui construit la. Donc, deux. Le premier chiffre, c'est le chiffre non pondéré. Donc, il y a deux observations. Une fois pondéré, ces deux observations non représentent 14 personnes dans la population. Donc, il y a deux règles pour le recensement. C'est que le premier chiffre doit être supérieur à 4 et le deuxième chiffre doit être supérieur à 10. Donc, dans ce cas-ci, le chiffre est inférieur à 4. Le tableau, dans cet état, ne peut pas sortir, mais il y a des solutions. Donc, le recensement, la seule solution, on ne peut pas juste enlever, mettre un espace vide, parce que là, on indique que s'il n'y a pas de chiffre, c'est parce qu'on était à inférieur à 4. On donne l'information. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut plutôt soit agréger la colonne B et C, ou A ou AC, ou agrégé 1 et 2. Donc, il y a plusieurs solutions pour pouvoir sortir le tableau. Par contre, on perd beaucoup d'informations et l'ENM nous permet une troisième solution, non, une deuxième solution, c'est d'arrondir à 0 la colonne C. Donc, pour le recensement, pour les règles actuelles, le recensement, on est obligé d'agréger les colonnes. Mais avec l'ENM, on peut donc, en arrondissant à 0 ici, on perd moins d'informations. Donc, ça, c'est un truc qu'on veut travailler, qu'on veut qu'il soit accepté que la règle, l'ENM, les deux règles de l'ENM soient aussi disponibles pour le recensement. Donc, c'est vrai. Donc, en conclusion, donc on veut des règles plus flexibles et cohérentes avec ce qui se fait à Statistique-Canada pour la totalisation personnalisée et avec GTAB. Il y a encore quelques étapes à franchir afin d'obtenir toutes les informations requises. Puis, comme je répète mon avertissement, certaines règles présentées aujourd'hui pourraient être modifiées. Ce n'est pas des versions définitives. Par contre, est-ce que ça va être intéressant
d'avoir un petit peu plus de flexibilité pour les chercheurs, surtout les chercheurs qui travaillent au niveau des grandes populations, du recensement, moins de règles, qui sont parfois, c'est pas inutile, mais c'est du travail supplémentaire pour peu de risques ou très peu de risques. Donc, voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions, questions, clarifications, commentaires? Sinon, si vous voulez, je voulais vous montrer, si ça vous intéresse, je peux vous montrer qu'est-ce qu'il y a de disponible comme produit standard sur le site web dans la section du recensement. Cet ordinateur-là, est-ce qu'il y a accès à Internet ou… Pendant que Samuel nous va chercher l'information, il y avait une question d'un participant en ligne pour Laurent. Oui, une question d'une participante. Quels sont les taux d'appariement sur les recensements détaillés? Veut connaître les taux d'appariement pour les recensements détaillés 2, 3 et 4. Quand on a fait l'appariement avec le recensement actuel versus le précédent, ou 2011 à 6, les taux d'appariement, que ce soit sur le long ou le formulaire détaillé ou abrégé, sont à peu près les mêmes. Donc, la qualité des variables qu'on utilise, nom, prénom, d'année, est la même que ce soit détaillé ou abrégé. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, quand on a comparé les personnes liées et non liées, on a pris des caractéristiques du questionnaire abrégé, détaillé, puis les différences qu'on observe dans les questionnaires détaillés sont assez mineures. Ce seraient des différences là, où, qu'on observerait dans une enquête normale sociale et que la pondération pourrait corriger. Peut-être une petite question à Frédéric. Je ne sais pas, une fois les règles modifiées, soyons optimistes, j'imagine que les utilisateurs vont peut-être pouvoir avoir des contrats de révision pour sortir de nouveaux résultats ou des résultats selon les nouvelles règles à partir de leur projet. C'est-à-dire que les gens qui n'auront pas pu sortir des résultats selon les nouvelles règles vont-ils pouvoir peut-être assez facilement reviser. Je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne sais pas, mais j'imagine que c'est tellement une possibilité. Là, pour, de toute façon, le but, c'est de faire de la recherche. Donc. Il y avait une mention pour les couples de même sexe, 2001. Où c'était mis question de qualité plutôt que de confidentialité. Est-ce que ça veut dire que vous allez demander aux chercheurs de mettre peut-être des astérisques à ces niveaux pour dire peut-être que c'est pas de bonne qualité? En 2001, si la population est inférieure à 5000, on peut pas sortir de résultats. Donc, on imagine qu'en haut de 5000, les données sont de meilleure qualité et en bas de 5000, non. Donc, les données, normalement, les données sorties sont de qualité. Et si la règle est changée, bien, là, il va donner un avertissement à ce moment-là. Ouais. Les chercheurs devront faire un avertissement. Bon. Je vais faire ça assez vite. Là. C'est ça. Je vais juste vous montrer où est-ce qu'on peut télécharger les produits qui sont standards et gratuits sur le site web de Statistique Canada. Juste avant de commencer, pour vous expliquer ce qu'on fait un peu au bureau régional à Montréal, moi, je suis gestionnaire au service de renseignement statistique, qu'on appelle.
En gros, c'est comme la porte d'entrée de Statistique Canada. Donc, si vous allez sur le site, vous cliquez sur « Contactez-nous », vous appelez le numéro 1-800, bien, c'est le service qui est à Montréal pour tout le Canada. On va soit répondre à vos questions ou rediriger votre appel ou votre courriel vers la bonne personne. Autrement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on essaie de favoriser l'utilisation des données, la connaissance. On fait du rayonnement autant qu'on peut. Puis, on fait aussi des tableaux personnalisés. Donc, les tableaux personnalisés, c'est une autre façon d'avoir accès aux microdonnées. Donc, si vous voulez faire une totalisation ou un tableau croisé à partir des microdonnées, vous avez deux options en gros. Soit vous avez un projet avec le centre de recherche, puis vous faites vous-même ou avec un étudiant ou quelque chose comme ça, vous compilez vous-même vos données, ou vous nous payez pour qu'on le fasse pour vous. Donc, si vous avez un budget ou si vous n'avez pas le temps, puis vous préférez qu'on le fasse pour vous, nous, on va vous charger le taux horaire que ça coûte pour le faire, c'est à peu près 77 $ de l'heure, puis on va vous faire vos tableaux selon vos spécifications. Les limites de confidentialité sont sont assez semblables. Il y a des choses que nous, peut-être, on peut faire que vous ne pourriez pas faire, mais justement, on essaie de réduire ça le plus possible. Les limites sont vraiment plus techniques dans le sens que, bon, 100 millions de cellules, c'est pas mal le maximum qu'on peut faire. On fait des tableaux en format Beyond 2020, là, B2020 qu'on appelle. C'est juste une façon facile de visualiser des tableaux avec plusieurs dimensions, mais après, on peut le mettre en n'importe quel format. Donc, en gros, on fait tout ce qu'on appelle des projets à coût recouvrable. Donc, si vous avez une idée puis vous avez un budget pour le faire, on va vous aider en tant que consultant ou en tant que technicien pour réaliser votre projet. Donc, c'est juste une autre option qui s'offre à vous pour avoir accès aux données du recensement. Sinon, c'est sûr que sur le site web, il y a déjà plusieurs choses. La particularité, c'est que le recensement, le programme, a la propre section sur le site web de Statistique Canada. Donc, si vous descendez, vous allez voir une section qui dit « Programme du recensement ». Puis toutes les données se retrouvent là. Donc, les données du recensement sont séparées de toutes les autres enquêtes qui se retrouvaient jusqu'à lundi passé dans ce qu'on appelait CANSIM. Donc, il y a CANSIM avec toutes les enquêtes sociales et il y a le recensement. Quand vous allez dans le programme du recensement, puis vous descendez, au début, vous avez des indicateurs. Puis ensuite, vous avez les produits de données. Les deux sections qu'on utilise le plus, ça, c'est produits de données et produits de référence. Donc, produits de données, vous allez avoir les profils, les tableaux, toutes ces choses-là. Puis, produits de référence, vous allez avoir les guides, les dictionnaires, puis les produits de référence. Donc, on va commencer juste à donner un exemple de ce qu'on discutait plus tôt. On parlait, par exemple, des logements collectifs. Comment c'est défini un logement collectif? Si on veut avoir la définition exacte, la section qu'on utilise le plus souvent, nous, du site, c'est le dictionnaire. Donc, le premier élément, sous-produits de référence, dictionnaire. Puis, on peut aller index complet de A à Z. Là, on va essayer, des fois, il faut juste trouver comment nous, on appelle une variable. Donc, on va dire, mettons, L, logement collectif. Puis, au début, on a la définition. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez voir dans quelle année que ça a été posé, cette question-là. Donc, si une variable qui est nouvelle, bien, vous allez voir que c'est juste en 2016 ou si ça fait juste 3 ans. Tu sais, par exemple, certaines mesures du faible revenu n'ont pas été incluses dans toutes les années. Donc, si vous allez sur la définition, vous allez voir dans quelle année on peut la retrouver. Donc, ça, c'est la définition bref. Mais si on allait dans le guide qui porte spécifiquement là-dessus, probablement qu'on aura encore plus de détails sur qu'est-ce qu'on parlait des collectifs avec le niveau de service et tout ça. Donc, ça, c'est les références. Il y a aussi des figures qui sont assez utiles dans le dictionnaire. Par exemple, tantôt, Laurent a montré les catégories d'admission. Je ne sais pas si on peut le retrouver là-dedans. Bon, on peut mettre, mettons, les langues autochtones. Vous allez voir comment les langues sont classifiées, les langues autochtones. Ça permet de voir la hiérarchie assez facilement entre les différentes variables. Ensuite de ça, si on va dans produits de données, ça sépare en gros en deux. Donc, il y a des profils, puis il y a des tableaux croisés. Les profils, c'est juste selon deux dimensions, là, selon le sexe, puis après, toutes les variables sont listées une après l'autre. Puis, vous l'avez pour toutes les unités géographiques. Puis, les tableaux croisés, bien là, on peut avoir un croisement, d'habitude, on dit jusqu'à 8 variables, mais ça dépend du nombre de cellules. Donc, il y a quelqu'un qui avait demandé, est-ce qu'on a, par exemple, les immigrants récents avec le CNP4? Je vais vous montrer, moi j'ai une façon de travailler, chacun a sa façon de trouver. On peut soit parcourir par thème ou par variable. Si vous connaissez déjà la variable que vous cherchez, c'est plus facile d'y aller par variable. Donc, on va essayer, le CNP, c'est la classification nationale des
profession. Donc, on va essayer avec P pour profession. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs professions. Puis, il y a un chiffre entre parenthèses, ça c'est la ventilation de la variable, le nombre de possibilités différentes. Donc, le CNP4, c'est le plus détaillé. Ça veut dire le code à 4 chiffres. Donc, ça veut dire que ça va être celui où il y en a le plus. Donc, c'est lui où il y en a 691. C'est comme cela, il faut le déduire. Là. Si vous cliquez sur le plus, ça, vous allez voir toute la définition de la variable. Puis, si vous cliquez sur le lien, ça va vous amener vers tous les tableaux qui contiennent cette variable-là. Donc, là, on a la liste de tous les tableaux qui contiennent cette variable-là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'après, c'est de savoir, est-ce que dans ces tableaux-là, il y en a un autre qui est croisé avec le statut d'immigration? On peut faire juste CTRL-F. Lui, il y a la catégorie d'admission, mais je sais pas, ça prend aussi. On peut regarder s'il y a En fait, ce que lui voulait, ça prend la période d'immigration parce qu'il veut seulement les immigrants récents. Donc, le deuxième, il l'a. Il y a CNP, plus haut certificat et statut d'immigrant et période d'immigration. Donc là, on peut soit télécharger le tableau en V2020 ou juste l'ouvrir en HTML. Puis bon, ça, c'est la présentation standard. Là. Dans le menu déroulant, on peut choisir immigrant récent. D'habitude, c'est les 5 dernières années. Là. On va prendre 2011 à 2016. Je ne me souviens plus s'il y avait dit quelle géographie ou quelque chose comme ça. Québec. Là, on va soumettre comme ça. Puis là, ça va s'afficher, le tableau va s'afficher seulement selon les sélections qu'on a fait. Puis là, ben là, on a ça donne que c'est croisé avec la langue, ce qu'on appelle la PLOP, là, la première langue officielle parlée. Mais dans la colonne totale, on a le total des immigrants récents selon leur profession. Ça ne changera pas. Ce qu'il parlait, c'est vraiment juste ce qui va être dans les CDR. Tous les tableaux standards sont en bas 5. Effectivement, à part pour les comptes de population, de logement dans les recensements courts, qui ne sont pas arrondis. Oui, OK. Oui, il me confirme à l'arrière. Donc, sinon, c'est toujours en bas 5 selon un arrondissement aléatoire. Donc, ça, vous regarderez dans le guide, c'est vraiment ça. Mais en gros, c'est que quand on additionne, les totaux fonctionnent, mais si vous essayez vous-même de faire des sous-totaux, ça se peut que vous n'arriviez pas à notre total à cause de cet arrondissement aléatoire-là. Puis sinon, bon, si vous allez par thème, vous allez voir, on essaie d'en faire le plus possible, là, des tableaux comme ça. Le problème, c'est si vous ne réussissez pas à trouver un tableau qui répond exactement à vos besoins, mais c'est là que vous devez, soit vous faites un tableau personnalisé ou vous faites votre propre compilation. Nous, on essaie d'en faire le plus possible. Il y a des limites à ce qu'on peut produire. Des fois, ça va être pour des unités géographiques plus petites, on ne le fait pas. Il y a des limites aussi à ce qu'on peut rentrer dans un tableau, entre 100 millions et 200 millions de cellules à peu près. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a des suggestions. Le problème, des fois, c'est que les chercheurs au Québec veulent quelque chose que les chercheurs à l'extérieur du Québec veulent. T'sais, on essaie de trouver un équilibre entre les besoins de tout le monde, en gros. Là. Par exemple, au Québec, les MRC ou les régions administratives, c'est significatif, puis les chercheurs utilisent ça beaucoup. Mais il y a plusieurs provinces où c'est juste des chiffres, ça ne dit pas grand-chose au monde, donc c'est moins populaire. Donc, souvent, les chercheurs québécois nous demandent faites plus de tableaux par division de recensement ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est ça. Sinon, ben, les profils, ça, c'est assez simple. Vous pouvez l'avoir pour pas mal n'importe quoi. On peut même l'avoir, on peut même faire des recherches par code postal, puis on va vous donner la géographie correspondante. Là. Avec la hiérarchie, donc toujours du plus gros au plus petit. Donc, mettons, on va aller voir l'aire de diffusion agrégée. Puis là, c'est ce que j'appelle un flat file, là, toutes les variables sont une à la suite de l'autre, puis ce n'est pas croisé avec rien. Le gros avantage avec ça, c'est que vous pouvez les télécharger en un fichier. Donc, si vous faites GIS ou peu importe, là, si vous voulez visualiser les données, c'est souvent la façon la plus facile de faire. Vous faites ici télécharger les données du profil. Puis là, vous avez à gauche, vous avez les géographies, puis à droite, les formats de fichiers. Donc, si vous voulez avoir tous les secteurs de recensement du Canada dans un fichier, bien, vous allez là puis vous avez toutes les variables du profil dans un fichier. C'est des gros fichiers, là, mais. Puis, si on retourne
avec les produits de référence que je peux vous montrer juste un guide. Par exemple, on parlait des taux d'appariement. Si on va dans le guide de référence sur le revenu, il y a tous les concepts qui sont définis. Donc, on voit la hiérarchie, qu'est-ce qu'on inclut dans le revenu du marché. Donc, par exemple, c'est le revenu d'emploi. Le revenu d'emploi, ça se décompose selon les salaires, puis le travail autonome, etc. Puis, vous allez avoir la définition pour chaque. Puis, si on descend plus bas, bien, c'est ça, il y a aussi des taux de couplage selon certaines caractéristiques. Donc là, on l'a par province, on l'a par type de logement collectif même. Donc, vous avez quand même pas mal de détails sur la qualité des données. Donc, les indicateurs qu'on a parlé plus tôt sont aussi repris là. Puis juste une dernière chose que je vais vous montrer, c'est plus... C'est un nouveau produit qui a été développé, on appelle ça c'est CPDV en anglais, je pense en français, le visualisateur des données de recensement. Ça vous permet de faire des visualisations simples. Je vais vous montrer, attendez, c'est où ça? C'est le visualisateur des données du programme du recensement. J'espère que ça va fonctionner. Donc, le principe, c'est qu'il y a toujours une carte qui s'affiche, puis en bas, il y a deux petits tableaux. Puis là, il y a comme un bouton qui dit « Je veux ». Ça permet de faire des comparaisons assez rapides selon certains indicateurs. Donc, je dirais, c'est plus peut-être une première étape. Avant de faire une analyse poussée, c'est d'avoir une visualisation simple, de voir une distribution de revenus, par exemple, sans avoir à compiler quoi que ce soit. Donc, on va faire, mettons, revenu. On va dire, mettons, c'est ça, revenu total médian des ménages. Puis là, la carte va se colorer selon ça. Donc, évidemment, les revenus les plus élevés sont ici, dans l'Alberta, puis dans les territoires. Puis, à gauche, vous avez les highlights, comme les régions géographiques où ce que le revenu est le plus élevé. Donc, c'est la division numéro 16 en Alberta. Après ça, c'est Fort McMurray en termes de circonscription électorale. Après ça, c'est la ville de Wood Buffalo en termes de division de recensement. Puis, en termes d'agglomération, c'est aussi Wood Buffalo. Puis ici, vous avez aussi la distribution. Donc, si on prenait une géographie plus petite, tout se mettrait sur la carte. Puis tout de suite, on peut voir s'il y a des outliers ou un aperçu rapide de la distribution. Puis on peut le faire avec plusieurs autres indicateurs. Là, vous avez juste à utiliser le menu « Je veux ». Puis vous pouvez rajouter des couches ou faire des comparaisons. Donc, ça fait le tour rapidement. Oui, c'est ça. Si vous voyez en dessous de la carte, c'est écrit « Tableau des résultats ». Là, on peut les voir comme ça, puis les télécharger, exporter ici. Là. Sinon, ben, c'est un peu limité en termes de… On ne peut pas faire comme une infographie à partir de ça, mais on peut les voir, puis après les télécharger. Question? Très clair. Merci. Ou un print screen. Donc, il va nous rester à remercier encore une fois nos collègues de Statistique Canada, Samuel, Laurent et Frédéric. Beaucoup d'informations très utiles. Merci beaucoup. Je vous rappelle encore deux autres ateliers sur les données la semaine prochaine. Donc, le 11, c'est sur une nouvelle base de données aussi qui est accessible depuis très peu dans les centres de données de recherche. C'est la base de données sur la mobilité intergénérationnelle de revenus. Et le 13, un dernier atelier sur la plateforme de couplage longitudinal en éducation. Et on aura la semaine suivante nos deux dernières activités de l'école d'été, donc une initiation au logiciel R, suivi d'un atelier sur l'analyse spatiale animé par Philippe Aparicio de l'INRS. C'est écrit complet pour R, oui, peut-être. Ah, il pourrait y avoir des désistements, sait-on jamais. Donc, merci à tous, puis passez un bel été si on ne se revoit pas. Merci aussi à nos participants en ligne. Ouais, ils l'ont pas codé, malheureusement. Est-ce que c'est...
C'est faisable. Oui, c'est juste que. Oui, tout ça. Puis comme je disais, on a déjà des tableaux canicules. Techniquement, c'est tout à fait faisable.